bonsoir Sarah à toutes et comment ça va les amis? Bonsoir, bonsoir. Salut Jess, salut H. Ça va, ça va, nickel. J'ai failli pas allumer mon micro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Checkpoint. Cette 6e émission, déjà incroyable, ravi de vous retrouver. Hein, ouais. Checkpoint, l'émission Actu Gaming, Mended, Xbox Squad. Hein, vous en avez l'habitude. On va revoir avec H.I.K. les news de cette dernière quinzaine. Ensuite, on va revoir aussi les sorties Xbox avec les entrées et sorties du Game Pass avec Jess. Et ensuite, on va passer au plus gros de l'émission, le focus. On aura la joie de nouveau d'avoir nos amis d'Halo.fr. Un focus assez complet. Ça va être plutôt sympa. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Bibi, salut Michael Mann. Comment ça va? J2B à la modération. Attention les amis, salut Clem, quel BG alors. Hop là, on l'a passé celui-là. Bonsoir Aurel, salut Frédérico, bonsoir à tous, merci R3, merci beaucoup. C'était pour que je dise pas de bêtises. Oui, bah oui, pour l'abonnement, incroyable, merci aussi. Et merci Bibi pour le Prime, ouais. Exact, merci Bibi pour le Prime. C'est au top. Frédérico, j'ai remarqué les XGS... On sarabonde Xbox Squad à James Bond, coïncidence, je ne pense pas. À démasquer quoi. C'est ça, totalement. On a récupéré la petite sœur. Oui, oui, en effet, tu seras pas voilà. Ban en mettant les liens pour le coup, carrément. Comment vous allez tout le monde? Ça va, ça va? Bah ouais. Nickel, un bon début de semaine. Ah bah ouais. Oui. Très bon début de semaine. Un chargé, hein. Ah ouais. Eh oui, chargé, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Peut-être 2-3 petits mots, non? Sur la vidéo avant qu'on commence, le temps que les gens arrivent. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport au test ou par rapport... Eh oui, c'est l'instant promo du test là. Tellement de choses à dire. Ah, d'ailleurs, vous avez la commande Halo Infinite pour avoir accès au test. Exactement. Au test, ouais, écrit et vidéo. Oui. Voilà, du coup, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le sujet, mais de toute façon, et c'est garanti sans aucun spoiler. Sans spoiler. Comme aujourd'hui, les amis, on le dit tout de suite, on le redira au moment du focus quand on aura nos amis d'Halo.fr. Il n'y a pas de spoil, hein, aucun. C'est notre point d'honneur à ça. Pas de spoil. On se limitera à tout ce qui a été vu dans les trailers. Exactement. Qui ont eu lieu du coup jusqu'à la semaine dernière, on a eu le launch trailer. Ce sera le dernier point de référence pour tout ce qu'on va discuter. Exactement, exactement. Mais écoutez les amis, sans plus tarder, je pense que nous pouvons passer au récap avec H. Eh bien oui, eh bien, on parlait d'Halo, on va parler d'un de ses concurrents au niveau FPS multijoueur avec Battlefield 2042. Donc, qui est sorti il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, qui avait des gros problèmes à sa sortie. On se rappellera que les tests n'étaient pas très glorieux. Donc il y a eu pas mal de mises à jour depuis ça. Donc celle du 25 novembre a porté plusieurs véhicules. On a eu aussi un gros équilibrage au niveau des armes, de la puissance des véhicules, parce que certains explosaient tout sans rien dire. Et ensuite, on a eu un 3e patch du coup au début du mois, qui a été un peu dramatique parce qu'il a totalement cassé l'accès au jeu. Donc, les joueurs ne pouvaient plus du tout jouer. On avait une erreur Unable to Load Persistence Data. Donc toute une erreur côté serveur. Heureusement, les équipes d'EA et DICE ont été rapides. En un peu plus d'une journée, ils ont réussi à corriger. Ok, cool. Donc là, le jeu est dans un meilleur état, il y a eu environ 300 bugs qui ont été corrigés entre les trois premiers patchs. Ouais. Et ils ont dit c'est du travail qui va encore continuer à évoluer, puisque ils ont du boulot Battlefield. Oui, mais pour y avoir légèrement joué, pour le coup, il y a du mieux, c'est bien. Même dès le premier patch, c'était cool, ils ont pu corriger pas mal de choses. Surtout que le premier patch était le patch Day One en fait, je crois. Oui, non, alors il y a eu le patch Day One, mais ensuite il y a eu, il n'y a pas longtemps, encore en novembre. Ouais, il y a eu le 2e patch avec l'équilibrage. Celui-là, il a fait du bien. Ouais. Celui-là, il a fait grandement du bien. Ah, c'est vraiment cool. Gagnerait tout savoir du Battlefield. C'est ça. Franck qui nous dit, ils ne sont pas intervenus aussi sur Forza Horizon 5. On en reparle tout à l'heure. On en parle juste après. Et merci pour le follow, Matt Lloyd. Ensuite donc, on a le cloud gaming. Du coup, Cloud Gaming est arrivé du coup sur Xbox One. Vous savez exactement ce que j'allais dire. Du coup, le Cloud Gaming est arrivé sur Xbox. On peut jouer directement sur la console. Et avec du coup cet afflux de testeurs, on a maintenant des files d'attente parfois. Files d'attente qui sont pas dues à JS ou à Red War. Parce que, contrairement à leurs promesses, ils n'ont toujours pas testé. Non, Shame. Moi j'ai rien promis. Oh. Je ne me suis pas engagé, monsieur. Je peux pas même dire c'est faux. Il y a la rediff et tout en fait. C'est mort. Non, oui, j'avoue. Ah, mais c'est parce que t'as la tête dans les nuages, c'est tout. C'est pour ça. Oh, waouh, c'était mignon, ça. C'était mignon, mais c'était une bonne fouille en même temps. C'est toi qui me fais rêver tous les 15 jours avec tes récaps. Oh, c'est beau. En même temps, que serait un récap de news sans le cloud avec Ashaika? Alors, JTB qui nous dit, est-ce que c'est compatible avec le FPS Boost? Eh bien, la bonne réponse, c'est que c'est une news à la base que j'ai esquivée pour ne pas avoir à dire FPS Boost, mais je vais en profiter. Le 15 novembre, Xbox a annoncé qu'il y avait, je crois, une trentaine de jeux compatibles cloud et FPS Boost. Donc c'est une bonne nouvelle, donc ça se limite que aux jeux qui étaient à la base en 30 FPS, j'ai pas la liste là. Puis ce cloud se limite à 60, hein. On rappelle, c'est du 1080p 60 au maximum. Ce qui est déjà pas mal. Oui, carrément. Pour l'avoir retesté sur console, on peut jouer à Forza sans problème. Enfin Forza Horizon 4, parce que le 5 visiblement même quand il est installé, ça pose problème. Du coup moi je l'ai testé typiquement sur F1 2019, le lag a disparu. Il n'y a plus de lag, cool. C'est assez fabuleux. Et autre point sur le cloud gaming, donc, par contre qui se focalise sur téléphone, 20% des joueurs jouent exclusivement avec les commandes tactiles. Donc ça veut dire aucune manette connectée, ça veut dire les boutons, juste le pur tactile avec ou sans l'interface spécifique pour certains jeux. Il y a des jeux comme Scat Nexus qui ont vraiment une interface spéciale qui est dédiée... où Xbox a vraiment remappé tous les boutons pour les rendre plus confortables, ou Football Manager, où en gros le doigt remplace la souris, d'ailleurs qui est fabuleux, alors que le jeu sur Xbox est désastreux. Donc c'est vraiment un beau truc. Alors, JTB qui me dit, j'ai testé sur console tout à l'heure, j'ai eu des soucis de réseau, déconnexion, blocage, rechargement, je retesterai une autre fois pour m'assurer que c'était pas ma connexion en cause. Ah c'est bizarre, tiens, j'ai jamais eu le souci. Eh bien, il faudra le mentionner dans le futur test du cloud gaming par Xbox Squad. Le tease. Hashtag je fais mon fab, je tease. Ça arrive quand ça arrivera. C'est quand même fou de se dire qu'il y a autant de personnes qui utilisent le contrôle tactile. Moi, j'aurais jamais pensé, tu vois. Moi non plus. Alors, pour certains jeux, honnêtement, je trouve ça horrible. Typiquement, un Gears. J'y arrive pas du tout. Gears 5 est compatible en commande tactile. D'accord. Perso, j'arrive pas du tout. Par contre, un jeu comme Yakuza, comme Octopath Traveler, tous les jeux qui vont être au tour par tour, on a le temps de regarder, vraiment prendre son temps. Ouais. Ça aide à fond. Donc après, je pense que c'est un coup à prendre. Nous, on a plus eu l'habitude vraiment d'avoir les manettes et tout. Je pense que peut-être que les plus jeunes arriveront plus à prendre ça en main facilement. Ouais. Oui, après, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. Maintenant, quand tu vois mon neveu, il avait 12 ans et il m'éclate à Mario Kart. Ah. Comme dirait Naruto, la génération est faite pour surpasser la précédente. Ouais. C'est la philosophie aujourd'hui. Voilà, c'est philosophie gaming. Ensuite, alors, un autre jeu qui a fait une petite sensation lors de l'E3. The Outer Worlds 2, avec cette superbe cinématique que vous pouvez voir qui, comme le dit la voix off que vous n'entendez pas, n'a rien à voir avec le jeu final. Donc Obsidian qui s'est amusé à bien troller, à se moquer un peu des trailers cinématiques qui n'ont rien à voir avec les jeux qui sortent. On a appris que The Outer Worlds 2 est en développement depuis plus de 2 ans maintenant. Ça veut dire que le développement a commencé avant que le premier soit sorti. Ouais. Donc Microsoft et Xbox ont vraiment confiance en la licence, à raison. Je sais pas si vous l'avez fait tous les deux. Non. Non, il fait partie du backlog pour mes parents. Je comprends. De toute façon, le backlog, c'est le Game Pass. Le Game Pass, c'est la backlog. Voilà. Cette boucle infernale du backlog. Une boucle infinie. Ouais. C'est ça. On n'en sortira jamais. Non. Non, mais j'ai très envie, j'ai très envie de le faire parce que bah, c'est Obsidian et qu'ils avaient fait Fallout New Vegas qui avait été très bien accueilli. Et visiblement, The Outer Worlds, ça a l'air d'y ressembler. Un peu beaucoup. Enfin, franchement, il est vraiment top, mais celui-là avait un budget un peu plus réduit. Ouais. Et par contre, The Outer Worlds 2, en plus, il va être développé avec tout l'appui de Microsoft, pas comme le 1. Ah bah oui. Puisque Obsidian avait été racheté qu'en 2018, alors que le jeu est sorti en 2019. Donc là, je pense qu'ils vont taper fort. Après, on risque de pas de le voir avant un petit moment. Parce que Obsidian, ils sont un petit peu occupés. On rappelle, hein, ils ont en développement Avowed. Ils ont Grounded qui est toujours en version preview et qui doit sortir en 2022. Et ils ont... Alors je me rappelle plus du nom. Ouais, moi c'est le dernier aussi que j'ai jamais. C'est un petit jeu dont on a eu des informations récemment. Honnêtement, je retrouverai pas le nom. Aidez-nous le chat. Oui, le chat. Aidez-nous. Aidez-nous. Ouais, je l'ai plus. À chaque fois, j'ai les trois. J'ai Outer Worlds, Grounded et Avowed, et j'ai jamais le dernier. Parce que le dernier, on n'a qu'un nom de code d'ailleurs, actuellement. Ça avait été révélé par Jess Carden il y a quelques semaines, mais je me rappelle plus le nom. Et ben, tant pis, on essaiera de retrouver ça. Si ça revient, je hurlerai. News suivante. Dying Light 2. On a un petit souci technique. Non. Ah bah non. Dying Light 2 qui est enfin Gold. À prendre avec des pincettes, puisqu'on se rappelle que le Gold, depuis la jurisprudence Cyberpunk, ça ne veut plus rien dire. Mais le code est terminé. Ils sont au travail sur la page Day One. Donc ça y est, il va enfin sortir après de multiples reports et une annonce bien trop tôt de l'aveu du studio. Dying Light 2 sortira bien le 4 février 2022. C'est cool qu'il soit Gold en décembre. Au moins, on sait que voilà, il sortira et que. Ouais. Bah, il devait sortir aujourd'hui, non, demain ou jeudi, il me semble. Il devait sortir, il devait sortir début décembre initialement. Il devait sortir le un jour avant ou après Halo Infinite. Alors, ça devait être le j'allais dire le 9, mais c'était peut-être le 7, ouais. Mais oui, c'était dans ces eaux-là. Alors, le 7 décembre. Ouais. Voilà, je viens de retrouver l'information. Donc, il serait sorti demain. Donc, pour rappel, hein, le jeu se base dans un monde où il y a des zombies. Il va falloir gérer des factions dans une ville. Toutes les actions auront une conséquence pour aider une faction ou une autre, qui va du coup développer son influence à travers la ville. Beaucoup de parcours aussi. Et encore une fois, des zombies, comme le rappelle Bibi. Plein de jeux avec des zombies, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on pense bien sûr à ton cocktail Molotov. Exact. Il sera plus utile. C'est ça. Vous aviez fait le premier ? Non. Alors, j'ai essayé. Du backlog. J'ai essayé et malheureusement, je fais partie du tout petit pourcentage de joueurs que le jeu rend malade. Ah ouais ? Ah merde. Merde. Les placements en fait avec les mouvements de tête, ça fait tout le temps un peu comme ça. Et il y a quelques joueurs en fait qui sont malades avec ce jeu et en fait c'est très simple, c'est en gros j'ai avancé 10 mètres, j'étais malade. Oh waouh. Ah ouais. Extrêmement brutal. Le jeu arrive à donner mal du transport. Ouais. C'est violent. C'est dommage, mais bon. Red War fait le 1 en live. Ah Dying Light 1. Oui. Eh ben, en vrai, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée pour janvier, pour préparer. Exact. Et coucou, c'est bien. Alors là, Toulousaine, malade, à genre une soirée beaucoup trop arrosée sans rien boire. Voilà. Ah, mais il y a des jeux, FPS en général, ça te rend. Oui, il y a des jeux comme ça. Bah là, c'était vraiment le premier, et là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réessayé 3 jours après, au bout de 10 minutes, pareil, ça fait bon, bah tant pis. Ah, ouais. Et la petite nature que je suis l'a fait. Incroyable. Incroyable. Ouais. C'est un des rares jeux qui fait peur. Oui, c'est incroyable. Alors, il faut quand même que je précise que j'étais en PLS les 4 premières heures. Et après, ça allait mieux. Et après, tu peux pas... Non, mais tu vas faire visage. Non. Non, je t'ai dit, j'ai peur de faire The Medium, alors je vais pas faire visage. Alors, The Medium, il est sympa. Oh, bien sûr, je fais un peu de gaming, tu peux l'éteindre direct. Tranquille. Tranquille. Ouais, on verra. Hop. Ensuite, du coup, on passe sur CD Projekt Red. Du coup, CD Projekt Red, ils ont qui a sorti Cyberpunk 2077 l'année dernière, il y a bientôt un an. Qui est toujours au travail dessus, bien sûr, hein, ils vont continuer le développement. On rappelle que la version next-gen, enfin nouvelle génération, on va appeler ça maintenant, arrivera seulement au premier trimestre 2022, tandis que la version optimisée de The Witcher 3 arrivera au deuxième trimestre. Donc là, on a appris qu'ils lanceront la production des prochains The Witcher et Cyberpunk, donc les prochains jeux qui appartiennent à ces IP, l'année prochaine. Du coup, ça devait commencer un peu plus tôt, mais ça a été repoussé à cause des développements notamment de Cyberpunk et bien entendu du Covid. Oui. Donc il faudra attendre quelques années avant de jouer à un éventuel The Witcher 4 ou Cyberpunk 2078. Tant de faire les 2077 d'avant. Et puisqu'on parle de d'attendre quelques années, il faudra aussi attendre quelques années pour que cette... Non, t'as été trop vite. Pardon. Oh mon dieu. Mon dieu. Il faudra attendre encore quelques années, ou quelques temps du moins, pour profiter de Cyberpunk 2077 dans le Game Pass. CD Projekt a clairement annoncé que c'était trop tôt pour que le jeu arrive dans le service. Et il faut le dire avant. Voilà, mais c'est pas exclu, hein. Mais oui, c'est pas exclu. Non, non, ils disent ce type de modèle d'abonnement est bon à certains moments du cycle de vie du produit, donc pas trop tôt. Donc ça veut dire quand les ventes vont commencer à stagner, ils le mettront. Normal. En tout cas, c'est ce que je comprends. Là, vu qu'il y a les versions de nouvelle génération qui vont arriver l'année prochaine, va y avoir forcément un boost des ventes. Moi compris, hein, j'attends la version de nouvelle génération depuis un an maintenant. La même. Donc il faudra attendre. Ensuite, comme Redvor vous l'a leaké. Le leak. Le leak, on va parler de Halo Infinite, mais pas la campagne. Donc le multi. Le multi disponible depuis le 15 novembre, du coup en version bêta jusqu'à après-demain, normalement. Du coup, on apprend, le mécontentement a fortement augmenté autour de l'événement Fracture et du système de playlist. Pour rappel, pour l'instant, on n'a pas le choix des modes de jeu. On est soit en mode arène, soit en mode Big Team Battle, soit en mode classé. Et du coup, pour les défis, c'est assez compliqué parce qu'on a certains défis, ça va être gagner certaines parties, etc. Et dès qu'on a un défi pour une certaine partie, ça va pas tomber pendant 20. Oui. On est d'accord. La loi de Murphy classique. Du coup, en fait, il y a eu la fracture avec le mode Fiesta. Et au bout de la semaine de fracture, 343 a retiré le mode Fiesta. Et ça a fait énormément râler. Parce que du coup, le mode Fiesta est inclus dans le jeu. Et pourtant, c'est malheureux, mais il n'est pas disponible à l'heure actuelle. C'était pas particulièrement le bon move, je trouve, de retirer des modes de jeu. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, et du coup, en fait, ils expliquent pourquoi. Les événements et les fractures, ça permet vraiment de tester des modes de jeu et d'avoir des données. Parce qu'au final, les modes de jeu qu'on a à disposition actuellement, c'est ce qui a été testé pendant le flight test. Donc ils ont déjà des bonnes données, et là le fait de dire tiens, vous avez pas le choix, ça force les joueurs à jouer à certains modes et à récolter des données. À voir si ça s'arrange avec l'arrivée de la version finale du jeu. On l'espère. On l'espère. Et du coup, bonne nouvelle au niveau des modes de jeu. Donc tu fais bien d'en parler, Jess. On a eu la confirmation de la part de John Junisex que 3 modes de jeu devraient arriver avant la fin d'année. Donc le mode Fiesta, le mode SWAT. Il est là. J'attends que ça. Hein. Et le mode FFA, donc Free for All, chacun pour soi. Donc en mode taper sur tout ce qui bouge. Ouais. Donc ce mode devrait arriver du coup avant la fin d'année. Ils vont tout faire pour. Et on apprend qu'ils sont aussi en train de travailler sur une playlist Social Slayer, donc qui permettrait de ne faire que du Slayer. Mais visiblement, ils ont codé ça un peu bizarrement et ils ont du mal à faire des développements du genre. Et petite info en avant-première, enfin pas avant-première, mais qui n'est pas sur le site encore, il y a des modes de jeu qui ont été trouvés dans le code du jeu. Aïe aïe aïe. En lançant Halo Infinite hors ligne. D'accord. Donc il y a une, entre 10 et 15 modes de jeu qui sont déjà prévus. Oh oui. Eh. Voilà, voilà. C'est ça qu'on... Donc ça fait un petit peu... Il y a de quoi faire. À voir comment ils vont l'intégrer. Ouais. De toute façon, là, ils ont du travail. Ils le savent. Et je vais en profiter pour passer à une petite gueulante. Oula. Je sais pas si certains l'ont remarqué, mais le Reddit, enfin le subreddit Halo a été locké depuis hier. Suite à des menaces de mort, du harcèlement du développeur. Ah, oui. Et en gros, du shitpost toute la journée. Ouais. Génial. Juste en profiter pour rappeler qu'il n'y a rien qui justifie tout ce qui est harcèlement, tout ce qui justifie menace de mort. Ouais. C'est un jeu. On est bien d'accord. Ok, il y a des systèmes qui sont actuellement pourris, pour certains. Moi, disons que voilà, ça me passe au-dessus de la tête, c'est un jeu. Oui. Ça peut être chiant, mais il n'y a rien qui justifie ça et il faudra juger le jeu sur l'avenir et pas juste sur tout de suite. Exactement, tu fais bien de le préciser. Voilà. Et il y a déjà eu pas mal d'évolutions d'ailleurs, notamment au niveau du système d'XP qui est passé de 0 XP par match gagné à jusqu'à 1000 XP par jour en 6 parties. Oui, ça c'est pas mal, ouais. Bien, tiens, c'est intéressant ça. Il y a une évolution, mine de rien. Elle est petite, mais bon, il y a. Ça va dans le bon sens. C'est notable. Oui. Voilà, c'est ça. Chaque petit pas va dans le bon sens et c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, bah tiens, c'est Franck qui va être content. Et on va parler de Forza Horizon 5. On va parler vroom vroom. Voilà. Vroom, c'est ça. Là, c'est plutôt Forza Horizon 5 qui cale dès qu'on passe au multi. Donc, il y a énormément de problèmes au niveau du multijoueur, notamment depuis la dernière mise à jour qui était censée corriger les problèmes. Donc on parlait de 343 Industries qui faisait le travail qui allait dans le bon sens. Côté Playground justement, là ça va dans le mauvais sens. La mise à jour cause énormément de problèmes sur le mode multijoueur. Ouais, visiblement ouais, c'est pas foufou le multi là en ce moment. Non, non, là visiblement... Alors, pour résumer, il y a des problèmes de déconnexion de personnes dans le convoi. Il y a des énormes problèmes sur les événements Horizon Arcade. Il y a des joueurs invisibles dans le mode éliminator. Donc ça, c'est quand même un peu moche. Hein. C'est un peu fâcheux, ouais. Le mode Horizon Open, on a des convois qui disparaissent totalement. On a des classements qui sont faux. Et pour l'Event Lab, du coup, c'est plus ou moins l'équivalent du mode Forge dans Forza Horizon. On a des fois des créations qui s'effacent. Ah oui. Donc c'est un peu moche, voilà. Comme Franck le dit, c'est encore pire qu'au début, ça rame, il y a des chargements sans fin, le jeu plante. Ah ouais, à ce point-là, c'est fou quand même. Je savais pas que c'était au point-là, je t'avoue que moi, Forza Horizon, bah, j'y ai pas joué depuis qu'il y a la bêta d'Halo. Puis la semaine dernière, on était légèrement occupés, du coup, pas testé du tout. Du coup, voilà, les amis. Voilà, l'édito, si vous voulez le voir, l'édito de Fab. Donc, alors... Remise en contexte, Fab l'a pas mentionné dans son article, mais il voulait bien dire c'est pas pour tous les joueurs, mais il y a de nombreux joueurs qui ont reporté ce problème. Ouais. Donc, et c'est surtout le mode multi, visiblement en mode solo ça marche un peu mieux, mais il y a beaucoup de travail. Donc c'est un peu dommage. Bah ouais. Un mois après la sortie. Surtout après les critiques qui étaient ultra positives sur le jeu, c'est vrai que là ça. Ça la fout un peu mal, quoi. Bah, disons que le jeu est excellent, mais les systèmes qui y sont rattachés sont pas au niveau du jeu actuellement. Ouais. Donc Xbox chargement Infinite, ça me le fait. Ah, ok, c'est une faute de frappe. Je pensais que c'était Infinite pour faire une blague par rapport à Halo et ça aurait été parfait, mais non. Ensuite, autre jeu des Xbox Game Studios qui a lui aussi eu. Des débuts un peu plus compliqués mais qui a évolué grandement par la suite. Sea of Thieves, donc la saison 5 a commencé le 2 décembre, donc qui va durer 3 mois, comme toutes les saisons depuis le début de cette année. Donc il y a pas mal de nouveautés, donc le Pirate Emporium va avoir des nouveaux stocks. Donc Pirate Emporium, si vous savez pas, c'est en gros pour acheter des cosmétiques. Donc, c'est la boutique du jeu. Okay, ouais. Du coup, vu que c'est une nouvelle saison, il y aura du coup 100 nouveaux paliers de gains d'expérience. Donc, encore de la progression. On a quoi d'autre? Ah oui, on pourra enterrer des trésors et proposer la carte à tout le monde. Ah, c'est marrant ça. Ça, ouais, c'est sympa ça. Ça, franchement, c'est assez original. Dès qu'on trouve un truc qu'on veut enterrer, on le met. La carte est disponible à tous et ça peut vraiment être pas mal. Pour l'aspect communautaire, ça peut. Franchement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de top, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut le faire un peu de façon intéressée, parce que si un équipage arrive à récupérer le trésor, nous, on gagne des points de réputation. D'accord. Du coup, ça va faire un cercle vertueux qui va faire que les joueurs vont proposer des quêtes, d'autres joueurs vont les faire pour avoir les récompenses. Donc, c'est vraiment chouette. Bien joué, RR. Ah oui. Autre chose, du coup, il y avait l'arrivée des feux d'artifice, comme vous pouvez le voir maintenant directement sur la vidéo. On a des fusées éclairantes, donc c'est aussi pratique hein, pour éviter de se faire avoir par des pirates, parce que les mers de Sea of Thieves sont pleines de pirates. On peut enterrer un collègue au lieu de le mettre en soutien. C'est vrai que ça pourrait être pratique aussi, ça, parce que la soutien est Flight Simulator, mais maintenant on a terre et mer, et air. Donc on a le coffre avec Forza Horizon, on a l'air avec Flight Simulator, et on a la mer avec Sea of Thieves. Et on a Halo qui fait tout. Voilà. Et vive Halo. Et vive Halo. Et aussi, pour récupérer de la santé, on pourra dormir dans un lit. Et ça, c'est une révolution. Ah oui, on le voit en live là, exact. Et franchement, c'est pas... incroyable. C'était pas fait exprès du tout. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est pas fait exprès du tout. C'est bon ce timing. Et donc, pour finir ce point sur l'actualité des 15 derniers jours, on a quelque chose qui commence dès demain, mais qui a déjà commencé officieusement aujourd'hui. Le ID Xbox Winter Game Fest Demo Event. Bravo. Wow. Voilà. Déjà un exploit de l'avoir dit correctement. Hein. Merci. Enfin, voilà. T'arrives mieux à dire ça que FPS Boost. Que le FPS Boost, j'avoue. Est-ce que les jeux du ID Xbox Winter Game Fest Demo Event proposeront le FPS Boost? Non, bravo. Puisque ce ne sont que des démos. Incroyable. Alors, cet événement, c'est 35 démos qui vont être disponibles entre le 7 et le 21 décembre sur le Microsoft Store, qui concernent des jeux qui sont en développement. Du coup, c'est pas des démos de jeux finis. Faut pas s'attendre à avoir une démo d'un jeu qui sort demain. C'est vraiment des démos de jeux qui vont sortir dans 1, 2, 3 ans. C'est possible. Ah bah il y a JTB qui nous dit qu'il y a une trentaine de jeux disponibles pour le moment. Voilà. Ah oui. Je n'avais pas l'information. Donc parfait. Il est à fond sur les démos à chaque fois. Ah bah oui, de toute façon il doit tout tester en live, c'est ça, non? Petite mise sous pression. Du coup, cet événement, ça fait lien aussi avec la cérémonie des Game Awards, du coup de Guacamelee. Je sais jamais comment le prononcer. Ouais. Alors, il semblerait que ce soit Jeff Keighley, mais alors Keighley, c'est sûr, mais alors moi j'ai un doute entre Jeff ou Jeff. Ah. De Monsieur Amazon, Monsieur Sponsor Amazon, voilà. On va l'appeler comme ça. Par exemple. Du coup, de Monsieur Sponsor Amazon qui aura lieu jeudi, et du coup vous pouvez retrouver toute l'actu d'ailleurs à ce sujet sur Xbox Squad et peut-être un live normalement. Oui, on va surtout pas dormir. Donc il y aura plus de 35 démos disponibles à partir du coup une bonne partie depuis aujourd'hui, le reste à partir de demain jusqu'au 21 décembre, et après ça, elles vont disparaître du Microsoft Store. Il y en a quelques-uns qui sont à noter. Moi, j'ai vu qu'il y avait Loot River, qui a l'air vraiment cool. Donc, je vous conseille de l'essayer. Ouais. Cyberpunk est dans la liste. Non, pas parce que c'est pas une démo, mais parce que c'est pas un ID Xbox. Alors après, peut-être pas dans la liste des démos, mais dans le Game Awards, il y est. Alors, il n'est pas sur beaucoup de catégories, mais il y est. Alors, je sais plus lesquelles c'est les catégories, mais je sais que Cyberpunk est dedans. Faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. C'est sûr qu'il n'est pas dans le GOTY, par contre. Non, ça, le GOTY, de toute façon, ce sera Resident Evil Village qui va gagner. Il ne gêne personne, voilà. Et bah du coup, c'est terminé pour ces 15 derniers jours d'actu. C'est déjà pas mal d'actu, hein, mine de rien. Et oh bah oui, mais ce qui fait l'actualité du monde du jeu vidéo, c'est aussi les sorties. Et c'est là que je laisse la main à Jess. Waouh, quel transition par double transition. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, bien entendu. Évidemment. Merci au follow, qui ont eu lieu pendant les news. En effet, on va passer avec H pour les sorties à venir. Non. Avec Jess. Oh c'est lui qui est fatigué. C'est incroyable, je suis exténué. Pardon. Alors là, on est sur les arrivées Game Pass. Oui, on est sur les arrivées Game Pass, tout va bien. Alors, pour les arrivées, on a eu l'info la semaine dernière. Il y a eu plein de jeux qui sont arrivés le 2 décembre. Avec, dans le lot, on a Enville, Arkvale, FF13-2, Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandits et Stardew Valley. Donc ça, c'est tous les jeux qui sont arrivés le 2 décembre. Moi, je vous avoue que dans le lot, je suis particulièrement intrigué par Lawn Mowing Simulator. Oui. Très bon jeu de détente. Voilà, par exemple, c'est beau ça, c'est beau comme jeu de mots. Faut le noter. Allez, pas de moi. C'est vrai qu'il y a eu 1 milliard de jeux de mots quand le jeu a été annoncé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de simulation de tondeuse à gazon. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est un jeu de simulation d'entreprise de tondeuse à gazon. Attention. Excusez-moi de la petite nuance. En vrai, je pense que ça peut être particulièrement satisfaisant. Alors, il y a Bibi qui dit chiant simulator, parce que Bibi l'avait testé, je crois. Oui, parce qu'à la base, c'était Franck et moi, et au final, il n'y a aucun de nous deux qui était dispo au moment-là. C'est vrai, en plus. Du coup, Bibi a dit, bon, bah, on a la clé, bah, je vais le faire. Et ça l'a un brin ennuyé. Oui, visiblement. Moi, je suis curieuse. Je pense que je vais me laisser tenter. Tu vas te laisser... Ah, ça te botte. Voilà. Ouais. Elle est là. Il n'y en a pas beaucoup, en vrai, là, dans la liste. Il y en a quelques-uns. Il y a Stardew Valley aussi, ça fait très longtemps qu'il faut que je le fasse. Lui aussi, il est dans le backlog depuis très longtemps. Et le problème de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu long. Et pour ceux qui ne connaissent pas, là aussi, on est sur un jeu simulateur de vie, je dirais, où tu fais un peu tout. On est sur de la gestion, on est sur un jeu de ferme. À la base, c'est un jeu de ferme, mais le développeur a rajouté des relations entre personnes, la gestion de vente. Ouais, voilà, je sais que le jeu a eu des milliards de mises à jour. Et je les ai pas regardées particulièrement, les mises à jour, mais il y en a eu beaucoup. Très acclamé par les joueurs, enfin vraiment un super jeu. Et intégralement traduit en français d'ailleurs maintenant. C'était pas le cas à une époque, là maintenant c'est intégralement en français. Donc ouais, Stardew Valley ça peut être vachement bien. Il y a les FF aussi qui arrivent petit à petit. Il reste pas très longtemps ceci dit les FF. An. À peu près c'est quasiment toujours un an. Ouais. Là, de toute façon, il manque juste Lightning Returns maintenant. FF13-3. Sachant que FF13 est dans le Game Pass par contre. Ouais, si il a été rajouté il y a 3 mois. Là, on a 13-2 et il y aura Lightning Returns du coup bientôt. Qui devrait suivre et emboîter le pas. Ensuite, alors j'ai regardé le jeu et j'ai trouvé ça incroyable. Le Space Warlord Organ Trading Simulator. J'ai regardé ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était ce jeu avant. C'est un simulateur de commerce d'organes. Oh waouh! Tu vends des organes, donc t'achètes, tu vends, tu échanges. J'ai trouvé ça morbide, bizarre. Ah oui. Tout. C'était chelou. Ça, par contre, je suis pas le public. Ah bah non, je suis même étonné que. C'est pas graphique. Ça existe. Ouais. Oui, c'est pas graphique par contre. Ouais. Mais. Oui, mais bon. C'est particulier. JTB qui dit tu échanges des organes comme des cartes Pokémon. C'est vrai en plus. Je t'échange un foie contre un poumon. Allez. Donc voilà, ouais, non, là je vous avoue, je passe mon chemin pour celui-là. Ah oui. Évidemment, mercredi le 8 décembre, il y a la campagne de Halo Infinite qui arrive. Bon, je ne vais pas m'attarder sur Halo Infinite. Je pense qu'on va suffisamment en parler dans quelques minutes. Personne ne va y jouer. Mais soyez présents le 8. Hein? Mais soyez présents le 8. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Hashtag teasing. Hashtag teasing. Bon, c'est pas du teasing, ça a été annoncé. Hein. Ça a été annoncé, oui. Ça a été annoncé. Hein. Pour rappel, on pourra retrouver Jess, à 21h sur l'Infinite. Ouais, mon premier stream gaming. Il faudra du soutien, les amis. Voilà, c'est ça. Je vous avoue que j'ai un peu peur, mais on va essayer. Plein de cœur. Eh oui, c'est bien. Mais si, il est là. On sera là, j'espère que vous serez tous là pour la soutenir, ça sera cool. Ah, c'est chanty. Par contre, pour info, pour Halo Infinite, dispo à 19h, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc pour ceux qui espéraient pouvoir y jouer à minuit, il faudra attendre encore un petit peu. Surtout qu'on n'a pas de news pour le préchargement, il me semble. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je ne crois pas avoir vu passer l'info, ouais. Donc, on demandera à nos amis d'Halo.fr tout à l'heure si c'est ça. Si ça la garde de nuit te demande si tu vas chanter aussi. Alors déjà que je ne chante pas en public, déjà que je ne chante pas devant une personne, alors en stream, n'y pensez pas. Voilà, alors j'ai pas l'autotune aussi qui emboîte le pas, fais chauffer l'autotune. En vrai, par contre, si j'aurais eu l'autotune, j'aurais tenté. Mais je l'aime pas. Tu vois bien, maintenant j'ai l'image de Redward qui va faire le chant d'introduction de Halo. Ah oui, c'est ça. Non, non. Oh. En plus, il y a la tête, il y a tout qui va avec. Ouais, ouais, mais non, 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 non. Peut-être que sur Dying Light, on verra, mais... on verra. Donc voilà, restez connectés, n'est-ce pas? Bien sûr. On enchaîne avec One Piece Pirate Warriors, qui est bon, un Dynasty Warriors dans l'univers de One Piece. Oui. Visiblement, qui a l'air très très bon. J'ai vu les critiques, ça a l'air assez positif. J'ai très peu, enfin je connais assez peu l'univers One Piece, j'ai lu vite fait des mangas, mais bon je me suis arrêté assez tôt. Mais visiblement ouais, ça a l'air assez cool. Ça sort le 9 décembre. On enchaîne avec Aliens Fireteam Elite qui sort le 14. Toi tu l'avais testé Edouard, hein, tu avais joué en live aussi. Oui. Aussi. Et Bibi. Et oui. Et très sympa. Oui. Très sympa. On a beaucoup rigolé hein, pour le coup. Oui. Pour le coup, je me souviens de ça. Non, c'était très bien. Très bien à 3 quand on joue en équipe. C'était vraiment cool. Non, le jeu se fait très bien. Peut-être un peu répétitif sur le long terme, mais très sympa. Ok. Eh ben écoute, c'est dans le Game Pass le 14 décembre et toujours le 14 décembre, on a Among Us qui arrive enfin. On va pouvoir faire des tueries. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Ça va être très, très cool. C'est vrai que Among Us, par contre, je l'attendais. Ouais. On avait très peu joué, finalement. Mais bon, là, maintenant, le fait qu'il arrive sur console, ça aide. Je pense qu'il y aura des coups dans le dos. Ah oui. Ah ben là, il va y avoir de la comédie, il va y avoir un peu tout ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un stream. Tu vois. je le sens venir. On va essayer. On va essayer de faire ça proprement. C'est vrai qu'on l'avait fait une première fois, mais les serveurs ne nous avaient pas rendu la tâche facile. Oui. Déjà, dans un premier temps. C'est vrai. En plus. Et oui, on s'était dit, allez-y, on est tous là, on va stream. Et on l'avait pas vu. Il y avait un tweet, les serveurs en PLS. Bon bah, ok. Mais oui, on fera ça. Bon, à mon avis, le 14, ça risque d'être un peu difficile pour eux. Oui. Vu qu'il arrive là en masse dans le Game Pass. Oui. Bah, puis il arrive aussi sur Play, il me semble. C'est la sortie toute console confondue. Toute console confondue, ouais. Alors il est déjà sur Switch. D'accord. Il sort sur Play aussi. Hein. D'accord. Ok. Donc, ça va faire du monde d'un coup, surtout que le jeu est crossplay. Ouais. Ah, il est crossplay en plus. Ah ouais. Oui. Donc oui, il va y avoir du monde. Pour les serveurs en PLS. C'est ça. Ah oui, les serveurs, ils vont juste prendre une petite claque dans la tronche. En fait, ils vont annoncer la nouvelle carte. Ça va être les serveurs de Among Us. Je dois essayer de dépanner. Ouais. Ça va être un Destiny bis. On verra. Et du coup, bah écoutez, on est bon sur les jeux qui sont entrés dans le Game Pass, donc on peut enchaîner sur les sorties. Exact. Transition. On peut enchaîner. Transition. Jingle. Non. Il ne l'a pas. Tu n'as pas l'image. Si. Mais ça, c'était les sorties Xbox. Les sorties du Game Pass. Non, du Game Pass. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Hein. Tu peux le faire. Pardon. Attends. La régie. Oui. Elles sont là. Oui. Alors du coup, ça c'est tous les jeux qui quittent le Game Pass le 15 décembre. On a Beholder, Man of Medan, Guacamelee 2, Wilmot's Warehouse, Into the End et Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Je peux m'attarder un peu sur tous. Je sais que Man of Medan avait eu un accueil assez mitigé. Ce n'est pas mon genre de jeu, évidemment, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus. mais il semblerait que y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres moins. C'est le premier épisode de toute façon de la Dark Pictures anthologie. Pour l'instant, il n'y a que trois jeux qui sont sortis. Je ne sais pas si on a eu l'annonce du quatrième. Il me semble que si, parce que je crois que c'était une vidéo qui était diffusée à la fin du 3 et qui a été mise sur YouTube juste après. Parce qu'il y a eu House of Ashes qui est sorti fin octobre, vers le 20 octobre, un truc comme ça. Mais après, je sais plus si on avait eu des infos sur le quatrième. Et si même on avait eu le nom. En effet, l'annonce a été faite. Alors, ça a été fait et ça s'appellera The Devil in Me. D'accord. Ok. Voilà, ce sera le quatrième. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas joué à Man of Medan, il est temps de s'y mettre. Ah. Bibi qui dit que Beholder, c'est un simulateur de concierge en pleine dictature. J'ai vu ça en 2D. C'était... ouais, ça avait l'air assez cool. J'ai vu que c'était une quinzaine d'heures à peu près pour en venir à bout. Donc encore, ça va. Vous avez encore un peu le temps si jamais vous voulez vous y mettre. Il y a Guacamelee 2, donc les aventures, enfin la suite des aventures. Ah, j'ai perdu le nom du héros, c'est terrible. Qui est, enfin, Guacamelee, c'est un Metroidvania dans un monde, enfin dans le folklore mexicain, qui avait été bien accueilli par la critique. Le 2 également, donc ça vaut peut-être le coup de s'y pencher là aussi. J'ai toujours pas fait le premier qui avait d'ailleurs été offert dans les Game with Gold, je me rappelle. Donc voilà. Et après il y avait... Alors oui, Julien en ce moment est en train de jouer à Wilmot's Warehouse, qui est un jeu de gestion d'entrepôt. Graphiquement, c'est très particulier. C'est vraiment... tu vas dans ton petit entrepôt et tu vas gérer tes commandes. Julien avait bien aimé, ouais. Là, je le vois jouer en ce moment, et il a l'air de bien s'amuser. Il a l'air de kiffer. Ouais. Il a l'air de bien aimer. En jeu très très court, il y a Into the End qui se finit en 3-4 heures. On est sur un accueil par contre là plutôt mitigé, il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé, d'autres assez moins. Et dans l'idée, on est vraiment sur un jeu en 2D narratif avec des combats un peu à la Dark Souls, donc un peu tricky. C'est court, hein, donc ça vaut le coup aussi de regarder. Bon, moi je suis pas le public, mais bon, pourquoi pas si vous aimez ce genre de jeu. Et le dernier, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, c'est... Alors, c'est pas la version 3D de Yooka-Laylee, c'est la version 2D qui avait été mieux accueillie que le premier épisode. Moi, j'avais bien aimé l'épisode de 3D. Après, je suis moins fan des jeux en 2D, donc c'est vrai que j'avais un peu passé mon chemin là-dessus. Mais en tout cas, le jeu avait été très, très bien accueilli par rapport au premier, même si le premier était cool, hein, et le deuxième encore plus. Donc ouais, allez-y. Si vous voulez découvrir un peu ce petit jeu en 2D. Ouais, on a JTB qui me dit que visiblement le développeur travaille sur un nouvel épisode en 3D. Ah cool. Oui, j'avais vu ça. Ce serait cool ça. Ouais, c'est pas mal. J'avais vu ça. En vrai, ouais. Peut-être que... Mais non, mais Julien l'avait acheté, donc j'ai même pas besoin du Game Pass. Bonjour le backlog. Et du coup, vous, il y a un jeu là qui vous botte et que vite il faut faire un qui s'en aille. Ah, Destiny 2. Man of Medan. Ah, c'est vrai qu'il y a Destiny, il y a Destiny qui est parti. Destiny 2, bah, qui part mercredi. Ah oui. Bon, on l'avait traité, on avait eu l'info il y a 2 semaines déjà de ça. Mais ouais. Ouais, Man of Medan. Ouais, il faudrait que je... Ouais, pour le coup, ouais. Carrément, ça me botte bien. 9 jours. Oui, au large. Là, celui-là, du coup, je vais le passer en priorité dans le backlog. Comment tu gères les priorités du backlog? Bah, ce qui part du Game Pass. Ce qui part du Game Pass. C'est vrai, en plus, là, t'as plus vraiment le choix. Hein, ah, bah là, non, c'est mort. Et quand t'as un Final Fantasy qui part, t'es vite dans la merde, quoi. Ah, ouais, je suis moins public de ce genre de jeu, donc ça va. Pour le coup. Donc, ouais. C'est les avantages, les inconvénients du Game Pass. C'est ça. Il y a des jeux qui partent très vite, comme il y a des jeux qui restent depuis très longtemps. Moi, là, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur Remnant from the Ashes. Ah oui. Il y est depuis novembre 2019. Ah oui. Même. Donc ça fait longtemps qu'il est là et il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il allait partir. Donc comme quoi, il y a des jeux, genre Red Dead Redemption ou GTA 5 qui restent 5-6 mois et il y a des jeux qui sont là depuis 2 ans. Donc ouais, c'est vraiment... 4 mois, c'était 4 mois, ouais. Ah ouais? Ah ouais, j'avais 5 mois en tête. Et genre Rockstar, c'est 4. Ah ouais. Ah d'accord. C'est à chaque fois, même quand GTA est revenu, au bout de 4 mois, il est reparti. D'accord. Donc comme violent. Quoi... Exact. Il faut se jeter. Exactement. À part pour les jeux Xbox Game Studio, c'est ça qui est l'avantage. Oui, c'est pas mal. Que... Pas mal de bonnes choses malgré tout. On avait peur que ça soit une période un petit peu plus moins folle que les précédentes en termes de sortie de jeu, etc. Mais non, il y a du lourd, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Est-ce que nos amis peut-être d'Halo.fr sont prêts avant que nous puissions passer au focus? Dis dans l'oreillette que nous avons une personne de prête. En effet, dans quelques instants, on va pouvoir accueillir du coup Halo.fr pour le focus de ce checkpoint. On a déjà eu la chance de les... Tu as zappé les sorties pour le flight, ouais. Comment ça, j'ai zappé les sorties? Mais pas du tout. Pas du tout? Si. Non, ça. Ou alors j'ai eu un trou temporel. Oh waouh, attends. Non, on a fait... Si, parce qu'en fait, tu as mis la slide... Ah voilà, on est d'accord que ça, on n'en a pas parlé. Oui. Si, c'est pour ça que j'ai bugué. C'est bon. Voilà. C'est pour ça que j'ai bugué. Je dis mais pourquoi? Ah non, j'étais... Oh, mais attends, mais je suis aussi fatigué que toi, ça va plus du tout. Ça va. J'ai eu peur, hein. Une remise en question et tout, hein. Mais bah, attends, tu sais quoi? Parce que c'est vrai que là on est allé un peu vite sur le focus, mais bon, on va aller vite sur les sorties comme ça, vraiment, on se concentrera sur le focus comme on veut. Les sorties, de toute façon, franchement, cette semaine, à part Halo Infinite et The Gunk, je suis pas certaine qu'il y ait vraiment énormément de jeux qui bottent tout le monde. Donc évidemment, Halo Infinite le 8, Monopoly Madness le 8 décembre, bon, jeu de Monopoly, hein, toi-même tu sais, qui nous aura surtout fait beaucoup rager en soirée entre amis. The Gunk, c'est le 16. Ah, moi j'avais le 17 en info, mais je peux me tromper. C'est possible. C'est possible. The Gunk, c'est le 16, ouais. Ah, et bien, petite erreur de ma part, alors. Il n'y a pas de souci. Sam & Max, ça sera le remaster du deuxième épisode. Vaporoom Lockdown, je retrouve mes fiches. C'est un dungeon crawler, donc disposé en cases, dans un univers steampunk. Donc si ça vous botte, let's go, c'est le 10 décembre que ça sort. Le 14 décembre, on a Asteroids Richard. C'est un shoot 'em up minimaliste, que vous pouvez même carrément jouer en coop. Les graphismes, moi, me rappellent un petit peu Geometry Wars. Mais bon, on n'est pas non plus sur du Geometry Wars, mais ça m'a fait un peu penser. Alors, je ne sais pas si c'est Detective D ou Die qu'il faut que je dise. Vu que je ne connaissais pas le jeu, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu. Je sais juste que c'est un jeu d'aventure en 2D en pixel art. Et enfin, Fire Girl Hack and Splash Rescue. Alors, Fire Girl, il a été repoussé malheureusement. Oui, j'ai eu l'info aussi assez tard. En 2022. C'est moche. Celui-là, je l'attendais à fond. Et... Oui, en plus, il est très joli. C'est un jeu en pixel art pareil, mais je l'ai trouvé très très joli. Ouais, puis le pitch est assez marrant, le gameplay a l'air cool. Ouais. Donc. Dommage. Donc voilà, bah ouais, repoussé. Et donc oui, évidemment, The Gunk qui est très attendu, qui sort le 16 décembre. Ok, on n'a rien raté là. Là on est bon. Là, j'ai speedrunné les sorties. Ça me paraissait bizarre. Et du coup, je comprenais. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, bien sûr. Vous êtes indulgents, les amis. Vous êtes beaux. C'est incroyable. Ouf, comme dirait la Toulousaine. On a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles. Eh oui. Bah, il faut les pardonner. Faut nous pardonner. Il y avait beaucoup de choses avec Halo, etc. Et justement, la transition, elle est là. On va pouvoir. C'est beau. Eh oui, on va pouvoir accueillir nos amis d'Halo.fr, hop là, pour un focus magnifique. À vous, les copains. Oh. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir le chat et bonsoir à vous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que je parle? Oui. Nickel. Et normalement, on devrait pouvoir entendre Plasma aussi. Yes. Bonjour à tous. Si vous m'entendez. Alors, comment allez-vous? Eh ben ça va très très bien, ça va très très bien. On a Halo Infinite qui arrive dans J-2 maintenant, donc là on est chaud patate, Et merci d'ailleurs à vous de nous accueillir sur votre chaîne, ça nous fait, merci à vous de venir. Très plaisir en tout cas. Plaisir évidemment partagé. Ben oui évidemment, il y a eu les tests de Halo Infinite qui sont tombés là ce matin à 9h, 9h01 même. Ah, c'était assez précis. C'était important. Voilà, c'est ça. On a eu la chance de pouvoir tester le jeu, de le passer de fond en comble, enfin, on va dire ça comme ça. On va en parler avec vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Le seul point qu'on va bien sûr ne pas aborder, ça sera l'intrigue. L'intrigue du jeu. Hein, on va essayer de ne pas vous spoiler. Voilà, voilà c'est ça. En gros, il n'y aura pas de spoil. Ouais, tu peux rien spoiler. Voilà, c'est oui, les seuls éléments pour lesquels on va peut-être éventuellement parler. C'est tout ce que vous connaissez déjà, les bandes annonces qui ont été montrées. Donc là-dessus, vraiment, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en savoir plus, mais sans vous spoiler, asseyez-vous, il n'y aura pas de souci. Alors, par quoi on commence? Est-ce que vous voulez déjà donner vos impressions sur le jeu? Alors Max, toi, tu n'as pas fait le jeu. Alors, j'ai fait du multi, mais pour l'instant, oui. Plasma, lui, a pu faire la campagne, mais malheureusement, moi, je n'ai pas pu pour l'instant. Bah tiens, à la limite, est-ce que toi, tu as des attentes particulières sur cette campagne-là? Ça peut être cool aussi d'échanger là-dessus, d'avoir l'œil d'un joueur qui n'a pas, pas joué. Justement, c'est marrant parce que Plasma, lui, il sait un petit peu, tout ça. Il m'en a parlé sans trop... Il m'en a parlé, oui, sans trop me spoiler, tout ça. Mais on va dire que moi, ce que j'attends déjà... on est tous d'accord, c'est explorer un halo, donc du coup c'est vraiment le côté open world moi que j'attends absolument, et c'est surtout ce côté là que j'attends énormément. Donc après, au niveau de mes attentes là-dessus, la COP, ça pourrait être bien la COP, mais bon, malheureusement on peut pas tout avoir. Et ouais. Ah, tu vas être déçu là. Ouais, je pense que c'est vrai que la COP... Je sais que malheureusement on va pas avoir la COP tout de suite, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà. Mais c'est surtout pouvoir explorer un lot, pouvoir avoir ce côté open world où on peut avoir des petits collectifs cachés un petit peu partout, ce que moi j'adorais justement sur les halos, chasser les crânes, vous voyez, c'est trouver tous les crânes, tout ça, tous les avoir. Bon, en général c'est pas très compliqué quand on a l'habitude sur Halo de tout savoir. Enfin, je veux dire, en plus on va faire sûrement, je pense, une vidéo là-dessus. Sur la chaîne YouTube Halo.fr où se trouvent tous les crânes, donc vous inquiétez pas, il y aura des trucs comme ça. Alors, mais déjà il faut les trouver. Il faut déjà les trouver, mais ça justement ça me ferait plaisir de participer à des vidéos comme ça. Mais en tout cas voilà, moi c'est surtout ce côté exploration que j'adore, et pouvoir faire ça sur Halo, bah, voilà, c'est génial. Enfin, voilà, c'est super. Carrément, carrément, carrément. En tout cas, pour répondre là à ça, tu vas être servi. Il y a du collectible, il y a du crâne. Ah là 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 là. Bien sûr, on ne s'attendra pas sur le contenu des collectibles parce que ça spoil un peu. Donc, pas les crânes en eux-mêmes, hein, puisque bon, les crânes ne servent juste, servent juste à modifier, on va dire, le gameplay. Surtout le rendre plus difficile la plupart du temps. Mais en tout cas, tout ce qui est audiologue, enfin, il y en a un paquet en plus de collectibles, tout ce qui est audiologue, ça va plus servir l'histoire. Et après, à côté, il y a d'autres collectibles qui permettent d'améliorer ton équipement, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a des petits audiologues à la 3DST, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. En gros, dès que tu vas les ramasser, tu vas avoir des audios, des conversations qui vont te permettre d'approfondir l'histoire. Donc ça, c'est cool. Bon, bien sûr, ça ne concerne pas que l'humanité. Ça, on en a parlé dans le test. De quoi? On a des audiologues humains et des audiologues Paria. Ça, c'est un bel ajout pour l'histoire. Et un troisième aussi. Donc et celui-là, il est secret. De belles petites choses, quoi. Et surtout, comme disait, c'est bien dans le chat, aussi la suite de l'histoire. Bah oui, évidemment, quand même. Ça me paraît logique, c'est vrai que je n'ai pas cité, mais oui, évidemment, aussi la suite de l'histoire. Donc ouais, pour le coup, vous allez être servi en termes de petits compléments d'histoire sur les audiologues. Et pour rappel, pour ce qui est vraiment de l'intrigue, on est sur la continuité de Halo 5. Donc si vous n'avez pas fait Halo 5, remémorez-vous quand même un petit peu le jeu. D'ailleurs, vous avez fait tout un tas de vidéos sur les histoires, etc. Plein de résumés. Donc allez voir Halo.fr, allez chez Halo.fr pour un peu vous renseigner sur l'histoire avant. Et je conseillerais même de faire Halo Wars 2. Enfin, ou alors même de se renseigner sur l'histoire, parce qu'il y a quand même des éléments aussi qui sont liés à Halo Wars 2, puisqu'il y a la faction des parias. Donc ça vaut le coup aussi de regarder. Du coup, là-dessus, tu vas aller encore plus loin. Je me permets de le glisser juste ici. On a Lunar Amétis du Wiki Halo, qui a fait un dossier monstrueux sur les histoires de Halo. Pour le coup, c'est juste hallucinant ce qu'il a fait, hein. Il a pondu un dossier de 30 000 mots. Qui résume, il est en 6 parties, il a été étalé, on l'a sorti sur 2 mois. Il résume l'intégralité des histoires de Halo, tous médias confondus, du début de la saga, enfin même des livres, hein, du moment le plus antérieur de l'histoire jusqu'aux dernières informations qu'on connaît d'Infinite. Donc si vous avez du temps devant vous, si vous voulez une bonne lecture, là-dessus, Lunar, il a fait un taf monstrueux. Ah, un bon petit... Ouais. Et du coup, Plasma, toi, ton avis global, après on ira un peu plus dans le détail sur le contenu de la campagne, mais toi, ton avis global sur, sur le jeu? Alors moi, mon avis global, bon, je vais du coup résumer un petit peu le test qu'on a fait de notre côté. Franchement, super hypé par le côté monde ouvert. Moi, j'adore. Je pense beaucoup de RPG, de JRPG, un petit peu du même style où voilà, tu te balades, tu fais plein de trucs, plein d'activités secondaires, voilà, juste le plaisir. Franchement, ça a été un vrai vent de fraîcheur dans la saga, c'est ce plaisir de pouvoir se balader librement sur une carte et aller soi-même, c'est con hein, mais aller soi-même à un objectif, voilà, je me rends à la mission, tac, et je vais lancer la mission comme ça. Ça a été vraiment l'énorme plus. Et ensuite, après, tout ce qu'il y a autour, l'histoire en elle-même est intéressante. Bon, il y a zéro spoil, on n'en dira pas, enfin, on dira rien sur l'intrigue, mais je sais qu'il y a des avis qui sont partagés avec le mien. À la fin, on a encore la dalle, on en veut plus, concrètement. Et j'attends de pied ferme la suite qui sera, je pense... sous forme d'histoire complémentaire, en fait, le jeu va s'étoffer avec le temps. Mais en tout cas, grosse impression. Et puis bon, le gameplay qu'on connaît très bien maintenant, à travers du multi, qu'on a déjà pu essayer pas mal de fois. Enfin, le gameplay irréprochable, hein, très, très bon, les combats très nerveux, les IA très, très intéressantes à jouer. Que ce soit même en normal, voilà, c'est plutôt simple. Mais dès qu'on commence à passer en héroïque ou légendaire, là, ça commence à piquer. Ouais, en légendaire, ils sont un peu vénères quand on attaque des grosses bases avec une centaine d'ennemis. Là, ça commence à piquer un peu. Et le gros élément de gameplay, alors moi que j'ai kiffé, hein, c'est la nouveauté du grappin. Ça combiné au monde ouvert. Alors, comment dire que je grappinais tout le temps. Voilà, je pouvais pas juste courir. Il fallait que je grappine par terre pour aller plus vite. Hop, même si c'est pour 3 mètres, un rocher, voilà, grappin, un arbre, tu grimpes partout. Voilà, c'est vraiment. J'ai une petite question à ce sujet, justement on en parlait lors du live qu'on avait fait hier soir. Apparemment on peut l'utiliser donc du coup tout le temps, c'est bien ça? Oui. C'est pas tu utilises que 3 fois, là il se recharge en fait, donc tu peux l'utiliser. C'est un temps de recharge qui... Et tu l'as dès le début du jeu. Et tu l'as tout le temps, ouais, donc c'est bien ça. Donc s'il y en a qui sont dans le chat qui se posent la question, vous l'avez direct, quoi, et c'est parti. Ouais. C'est en plus, une fois, il y a une amélioration qui permet de réduire le temps de recharge, et dès que tu l'as, ça y est, c'est en 2-3 secondes... tu mets un deuxième coup de grappin, quoi. C'est vrai que l'avantage qu'il se recharge tout le temps, constamment. En plus, tu peux l'améliorer, donc tu as vraiment cette possibilité de l'utiliser toutes les 3 secondes, limite. Et puis même, le level design est travaillé pour que ça soit aussi vertical. Donc, ce qui fait que tu as tout le temps envie de grimper nulle part. Même si, horizontalement, tu peux avancer plus vite, tu peux aussi te hisser à des parois, des trucs vraiment immenses. Et ouais, vraiment, c'est le jeu pousse à utiliser le grappin, quoi. De toute façon, en plus, tout le temps, quoi. Oui. Et pour tout et n'importe quoi, parce que pareil, il y a le côté, certes, déplacement horizontal, vertical, mais après, il y a le côté grappiner un ennemi pour lui mettre un gros coup de crosse, prendre un objet, on l'a déjà vu dans les trailers, on a depuis le début, mais ramasser une bobine, les bobines, ils les ont semées partout sur le Halo, donc là, vous avez de quoi faire, attraper une bobine, la jeter sur la tronche des ennemis, et voilà, c'est vraiment... Même c'est bête, mais fuir, ça peut vraiment servir. C'est ça. Le coup, j'ai tenté un peu de légendaire, je me suis rendu compte que le grappin pour fuir, c'est quand même OP, quoi. T'es obligé. Tu m'étonnes. Ça permet d'évacuer rapidement d'une situation assez embêtante. Mais oh la vache, je vois les vidéos, mais c'est magnifique, les amis, là. Ouais. Oh là là. C'est vrai que globalement, moi, je suis pas trop en mode exploration, etc. Mais j'avoue que là, sur le Halo, j'étais en mode bon, allez, vas-y, prends un Warthog et je vais me balader. Donc, ouais, non, il y a vraiment pas mal de choses à explorer. Mais tu vois, moi, sur ce côté-là, qui adore en fait l'exploration comme ça sur des mondes ouverts, je me rappelle, c'était dès la deuxième mission qu'on attaque en fait vraiment dans le monde ouvert, où tu dois te rendre pour pouvoir continuer l'intrigue. J'avais pas envie d'y aller, j'avais juste envie de me balader. Et je voulais aller partout, je voulais juste explorer, et je me suis dit, ah mais il faut quand même que j'avance dans l'histoire, parce qu'après sinon j'aurais pas le temps de la faire pour le test. Mais voilà, je pense que si j'avais été en conditions réelles en sortie de jeu, j'aurais passé, je sais pas, 2-3 heures à juste me balader en début de jeu sur le Halo. Ouais, c'est pareil, le petit coup en mode, ouais, bon, faut quand même que le test il soit prêt lundi matin, je vais peut-être pas sauver tous les marines, je vais peut-être pas faire... Bon d'accord, je pourrais pas tout faire, c'est bon. Vous mourrez, je vous sauverai tout seul plus tard. J'ai vu passer une question, mince, j'ai vu passer une question de la garde de nuit, je l'ai perdue. Le gameplay aussi nerveux que le 5. Oui, c'est ça. Alors, je dirais un poil moins nerveux que le 5, mais tout aussi jouissif dans le sens où ils ont gardé des mécaniques du 5. Le fait de se raccrocher à des rebords, etc., de sprinter, bon, même si le sprint était là depuis Halo 4, même Halo Reach si on prend les power-up, il n'y a plus le dash. Le dash a été remplacé par un module propulseur, ouais. Voilà, mais bon, il y a le grappin, donc en soi le propulseur limite tu l'utilises plus en fait. Ça c'est le côté où peut-être le petit point négatif vis-à-vis des power-up, c'est qu'il y en a beaucoup. Et le jeu t'encourage plus à utiliser le grappin que les autres. C'est-à-dire que tous les power-ups, si vous avez joué au multi, vous les avez forcément utilisés. C'est le mur bouclier, c'est le détecteur de menaces, le grappin. Et le dernier, je ne l'ai plus. C'est quoi le propulseur, grappin, le mur et le détecteur de menaces. Ouais, le détecteur de menaces. Je les ai tous dit alors. Ah non, bah, j'ai dû... La sonde... Ouais, c'est ça. Donc si vous avez fait le multi, vous allez peut-être dépayser là-dessus. Vous pouvez les améliorer. Donc ça c'est bien, il y a des modules de Spartan, donc c'est des petits modules qui sont répartis un peu partout dans le monde, qui rapportent un petit plus là aussi. Donc améliorez à fond le grappin, et après vous améliorez le reste. Surtout que le grappin il a quelques effets bien sympas. Ouais, ouais le fait de les améliorer, bah, tu peux l'utiliser beaucoup plus vite, tu peux immobiliser les ennemis. Ouais. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui valent le coup d'être testés. Mais à Shaika du coup... Quel a été ton petit ressenti par rapport à cette campagne? Ah ben moi j'ai kiffé. J'ai kiffé à fond. C'est l'exploration, bah, comme disait Placement. Hein, tu peux explorer le Halo et tu te perds en fait. Tu te perds à te dire ah bah tiens j'ai envie d'aller là. Puis au final bah tu vois ah bah tiens je peux avoir une belle vue là-bas. Puis tu dis ah mais tiens il y a un truc à faire là-bas. En fait tu te perds tout le temps. Tu te rends même pas compte. Je sens qu'on va avoir de quoi s'occuper pendant très très longtemps sur ce Halo-là. Là, à mon avis... ouais, c'est quoi, t'as pas mal de trucs, ouais. Au-delà de l'exploration, c'est vrai que t'as plein de petites tâches à faire sur la carte qui sont réparties, en plus de la campagne. Donc c'est vrai que, ouais, en général, quand tu passes à côté d'un truc, t'as envie de le faire. Parce que t'es en mode, ah vas-y, je passe à côté, je vais l'oublier, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça encourage à vouloir un peu explorer avant de vraiment se lancer à fond dans la campagne. Faut savoir que au niveau de la durée de vie, faut compter 8-10 heures en normal pour ne serait-ce que la campagne en elle-même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, totalement. C'est ce que j'ai compté aussi. Et après, pour tout ce qui est monde ouvert, alors il faut savoir que le monde ouvert, il n'est pas immense, il est grand, mais on n'est pas sur une map à l'Assassin's Creed Odyssey ou Valhalla où vraiment c'est... tu mets des minutes et des dizaines de minutes à explorer toute la carte vraiment de haut en bas. Le Halo est grand, mais pour le coup, l'avantage, c'est qu'il y a des choses à faire, mais c'est pas ultra répétitif. Alors oui, forcément, ça reste répétitif au bout d'un moment, mais il y a suffisamment de choses à faire et assez variées en plus pour vraiment s'occuper et ne pas se dire comme les anciens assassins, ben, plus comme les nouveaux assassins justement, les Valhalla, les Odyssey, les Origins, vraiment ces opus-là, on n'est pas sur une carte comme ça, on est vraiment sur une carte beaucoup plus petite. Ah oui, comme les anciens assassins, j'avais pas compris la question comme ça. Ouais, plus petit dans ces eaux-là, ouais. Y a-t-il des temps de synchronisation? Non. Alors... Techniquement, on peut dire oui, mais on n'est pas sur un truc à outrance, dans le sens les bases avancées. Ah, oui. Ça reste plus ou moins des tours de synchro. Oui, c'est des tours de synchro, mais utiles. Voilà. Et on n'est pas sur 20 000 à aller faire, donc non, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Du coup, parlons-en des bases avancées. C'est là où vous allez pouvoir un peu demander, faire de la demande soit d'équipement, soit de véhicules. Et pour faire ces demandes-là, il va falloir faire des tâches dans le jeu, notamment libérer des Marines. Il va y avoir libérer des Marines. Vas-y, je les. Détruire les bases parias. Voilà, les bases parias, etc. Qui font que vous allez gagner des points de bravoure. Et ces points de bravoure, vous allez les accumuler et au bout de certains paliers, vous allez pouvoir débloquer des... alors, c'est plus les équivalents des réquisitions comme dans Halo 5. Donc, vous allez avoir au bout d'un moment un WASP, un super lance-roquette. Il va vraiment y avoir de quoi débloquer du contenu pour justement améliorer l'exploration et un peu vos tueries sur le jeu. Parce qu'il faut savoir aussi bien s'équiper dans le jeu. Oui. Au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir un BR et un pistolet, mais bon, c'est bien aussi d'avoir un lance-roquette. Voilà, on a typiquement l'exemple. Si vous vous rappelez, à l'E3 2020, il y avait eu une petite séquence de gameplay qui avait été dévoilée pour Halo. Et là, c'est l'équivalent qui est en ce moment diffusé sur vos écrans. Voilà, ça c'est le gameplay qu'on a fait. Donc là, on est vraiment sur la séquence qui avait été dévoilée à l'E3 2020. Vraiment littéralement on est sur la même portion de jeu, donc celle qui avait fait beaucoup parler d'elle par ses graphismes pas foufou et sa technique un peu en dessous. D'ailleurs on peut en parler de la technique, ça c'est beau cette transition. On peut en parler, techniquement ça tient la route, oui. Mais il y a quand même des défauts. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de la technique? Je trouve le jeu déjà très beau, moi je suis stupéfait là. Là il y en a beaucoup qui critiquaient le jeu à l'époque, là pour moi c'est très bien là. Alors, oui, il y a un mais. En fait, c'est-à-dire que tout ce qui est effet de lumière par contre c'est fou. C'est-à-dire que là il n'y a pas de ray tracing, mais on est quand même sur des effets de lumière assez fous, je trouve. Moi j'étais sur le cul hein, quand j'ai vu les effets de lumière et que je me suis dit pas de ray tracing. En encore, c'est pas les plus beaux effets qu'on voit sur en vidéo là. Mais... pouvait pas inclure le contenu oui. Avec les plus beaux effets. Il y avait du contenu qu'on ne pouvait pas montrer. Donc on a préféré vous montrer vraiment la séquence que vous connaissiez si vous avez regardé la séquence de l'E3 2020. En vrai, franchement, c'est beau. Les seuls problèmes techniques que moi personnellement j'avais relevés, c'était surtout les problèmes de pop-in quand on est en véhicule aérien. Où là, les arbres qui apparaissent et d'autres éléments, c'est vrai que ça saute un peu aux yeux. Je sais pas si vous avez vu, vous avez vécu ça. Je me fais envahir. Perso, je l'ai bien vu. Hein. Dès que j'ai pris un Banshee et que je me suis envolé, tu prends de la hauteur parce que forcément, t'as envie de voir tout ton terrain de jeu. Et là, t'avances et là, tu vois des arbres qui apparaissent et tu fais. T'as des textures qui apparaissent, tu vois que les ça dépend vraiment des endroits et des moments en fait, j'ai l'impression, parce que moi je me suis fait la réflexion à un moment donné, quand je cherchais à faire des jolis panoramas pour le test, j'ai repris un petit peu mes screenshots que je trouvais sympas, et en fait il y en avait certains, pas tous, mais certains où il y avait des endroits où il y avait carrément pas de texture en fait. Je me suis dit, waouh, j'avais même pas vu en jeu. Mais je pense que c'était vraiment des problèmes localisés comme ça, mais en soi, sinon, le jeu est vraiment ultra propre. Hein. On va dire que c'est pas une claque révolutionnaire de la next-gen, avec tout ce qu'il faut pour en faire le monstre de la Xbox Series X ou le fer de lance en fait, graphique, mais en tout cas, il y a de quoi vraiment faire et de profiter du jeu, surtout comme tu le mentionnais tout à l'heure, H, dans des endroits bien spécifiques qui, là, claquent la rétine, quoi, complètement. On est bien d'accord. Alors, du coup, je vais remonter les questions dans le chat. Contenu en intérieur. Alors, Aradine, je sais pas si tu mentionnes le contenu plus de la campagne en intérieur. Après, on peut éventuellement évoquer les structures en elles-mêmes, les décors en intérieur. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, qui sont très jolis. Ah, je pense qu'il voulait du gameplay justement pour voir. Ah, du gameplay en intérieur. Ouais, je pense. Parce qu'il a justement posé la question à ce moment-là quand on voyait le gameplay en extérieur, voir si on avait de l'intérieur, je pense. Il parle des effets de lumière pour l'intérieur. D'accord, je ne sais pas si on a ça. Sachant que vous avez une petite séquence en intérieur à nous montrer là, diffusez-nous tout ça là. Et je sais pas si on en a, sachant que les, alors tout le contenu qui est en intérieur, par contre, c'est vraiment spécifique à la campagne. Ouais, d'accord. Ça qu'on n'avait pas préparé parce que justement, on pense que c'est pour ça. Voilà. Après, c'est normal, il faut pas spoil non plus, donc c'est normal aussi, ça se comprend. Mais non, vraiment, on n'est pas là pour faire les fanboys, les machins, etc. Le jeu en intérieur est vraiment très joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets de lumière bleutée, où là, vraiment, tu as envie d'explorer et de voir... Non, on ne spoilera pas, Christophe. C'est prévu qu'on ne spoil pas. Non, vraiment, c'est très, très joli en intérieur. On n'ira pas plus loin dans l'explication, mais on a hâte que vous puissiez essayer aussi, parce que ça vaut le coup. Oh mon Dieu, Aradine, pourquoi vous avez invité Nico Karabatic? Ah mon Dieu, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Et sinon, on n'a pas de la technique, mais il y a aussi l'audio, qui est super important. Au niveau des effets audio, moi j'ai trouvé que c'était la même claque qu'en multijoueur, plus les bruits de la faune un peu et de l'environnement. Je sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus. Plasma. Oui, c'est vrai que outre les moments où on se retrouve acculé par des parias dans tous les sens, même qui squattent dans la nature, et qui font un petit campement comme ça. Il y a des spots où on est bien au calme, et c'est vrai que là l'ambiance sonore, en fait, le côté ultra calme et ultra reposant du Halo, c'est vraiment un point qui m'avait marqué dans les petites balades dans la pampa, quoi. Ah, le fait... Moi, ce qui va me marquer, surtout, c'est le bruit du BR sur le Halo. Tu entends déjà la puissance de frappe du BR, enfin du fusil de combat. Et en plus de ça, tu as les échos des balles que tu tires. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Et c'est vrai que tu es là en mode ah ouais, non, je suis trop puissant. Ça c'est trop bien, quoi. Puis ça, tu peux plus te passer du BR après. Ouais. Mais le BR, moi ça a été mon coup de cœur pour Infinite. Déjà dans le multi, je l'aime beaucoup trop. Alors, petite déception, il n'y a pas le DMR dans le jeu. Et du coup, on se rabat sur le BR. Mais je trouve qu'il est tellement bien fait qu'au final, c'est pas si grave. Je sais pas si vous avez le même ressenti. Ouais, on attend vos ressentis, les gars. Je trouve qu'il est même peut-être un peu trop précis. Oui. Il est vraiment, c'est un DMR à 3 balles, quoi, au final. Pour moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. On pouvait, à un moment donné, moi, je jouais. Parce qu'au travers des bases de l'UNSC, les bases avancées, on peut prendre les armes un peu qu'on souhaite quand on les débloque. Oui. Je prenais toujours le bon petit duo BR Snipe, et c'est vrai qu'à des moments, je me disais, mais en fait, mon Snipe ne me sert pas à grand chose, parce que mon BR, je peux me mettre tout en haut de la falaise et puis sniper tous les gens qui sont en bas facilement, quoi. Donc peut-être que moi, c'était BR et Commando, tu vois. Avec BR Commando, toi? Ouais, le Commando, il fonctionne quand même bien sur les grunts. Ah bah, il fait le ménage. Le Commando, il fait le ménage. Une petite arme lourde, ça fait toujours plaisir aussi. Bah, disons que vous arrivez à le maîtriser, le commando en multi? Oui. Je l'aime bien, perso. En multi, je l'aime bien. Alors, perso, le commando, j'ai eu du mal lors des premières phases de test, de flight test. Ouais. J'ai vraiment du mal à le maîtriser. Je me dis, attendez, les gars, vous arrivez à le maîtriser? J'avais un peu de mal. Pareil pour le sniper, d'ailleurs. Et depuis que là, le multi est arrivé en version bêta, là, franchement, je trouve ça beaucoup mieux. Je sais pas si toi, Jess, t'as pu rejouer beaucoup au multi là récemment, là. Ah, oui. Ouais. Et je trouve, personnellement, que, je sais pas, j'ai l'impression que ça, c'est mieux en fait. Donc je sais pas s'ils ont touché quelque chose par rapport à ça. Mais moi, le commando là que j'ai pu tester, depuis qu'il y a le multi là qui est dispo, je trouve que ça va en fait. Mais j'avais du mal au début. Hein. Quand j'ai commencé avec le commando au début, j'avais vraiment du mal. Ouais. Moi, j'ai encore beaucoup de mal à gérer le recul de l'arme, là où le BR, justement, il y a très 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 peu de recul, donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Mais le commando, je reconnais que par contre, il a beaucoup il fait beaucoup de dégâts. Si tu le maîtrises, il y a moyen que tu retournes une partie très très facilement, quoi. Plutôt un commando est vraiment pas évident, hein, sachant qu'en plus il y a un succès pour faire un frag parfait, au commando en multi. J'ai toujours pas réussi à faire, moi, personnellement. Pour le tips, je l'ai fait contre un bot. Hein, et c'est assez facile, du coup. Et oui, il y a bien un succès pour le faire, un frag parfait. Et honnêtement, gérer le recul du commando pour faire toutes les balles dans la tête, c'est pas évident. Hein. Ouais. Ouais, je confirme. On a Dibi tout à l'heure qui nous demandait si le doublage était de qualité. Alors, je suis mitigé sur le doublage. Alors, la VF est vachement cool, vachement bien faite. Là où j'étais plus mitigé, c'était sur la synchro labiale, surtout sur les parias. Tu sens que ouais, les parias, c'est pas le truc qui a été le plus travaillé sur la synchro labiale. Hein, je parle. Bah, je serais curieux de le tester en anglais du coup en fait. Ouais, j'avoue qu'on l'a pas testé. La voix française. Toi, Plasma, tu l'as fait en anglais ou en français? Je l'ai fait exclusivement en français. Ouais, ah, d'accord, on est team français. Du coup. Petite voix de David Kruger pour le Master Chief, on a du mal à s'en passer. Ça va faire du bien de le retrouver, ça va faire du bien comme de le retrouver là, notre cher Master Chief, David Kruger. Ah ouais, surtout que... Même les doublages, enfin surtout le doublage de Weapon, enfin hein, l'arme qui nous accompagne, elle est vraiment pas mal. Je trouvais ce doublage vraiment pas mal. Et par contre, après, ben, je te rejoins complètement, Jess, hein, sur la synchro labiale ou même le doublage paria, enfin de... J'arrive plus à le dire en français. C'est Escaroum. Escaroum, voilà, en français. J'avais un peu du mal. Ouais. C'était un peu dommage parce que, ouais, en plus, les parias, ça a vraiment été ce qui a été au cœur de ce qui a été moqué, entre guillemets, par la communauté quand... Quand le jeu avait été annoncé, enfin plus montré à l'E3 2020, où vraiment Escaroum en plus tu le voyais, enfin ça faisait un peu de la peine. Pareil, les parias n'étaient pas super bien faits. Je trouve que c'est un peu dommage, même si bon, ils ont retravaillé hein, toute la partie technique et que bon, bah, les parias et les brutes surtout étaient mieux faites et beaucoup plus détaillées. C'est vrai que ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage que ça reste un peu au second plan. Enfin, j'avais l'impression que ouais, les parias étaient un peu au second plan. Sur la partie vraiment technique, hein, travail technique. Un petit peu. Là où, par exemple, tu prends The Weapon ou même le Master Chief, enfin, les deux, ils sont super bien modélisés. Enfin, il n'y a rien à dire. Même le doublage hein, de The Weapon est vachement bien fait. Mais c'est vrai que oui, par contre, oui, la synchro labiale du Master Chief... Elle est parfaite, hein. Ah ben là... Rien à dire. Là, ouais. Littéralement, rien à dire. En même temps, il n'y a pas de difficulté là-dessus. En vrai, même si, bon, bah, évidemment, on voit pas, enfin, le Master Chief est toujours sous son casque. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait dessus, qui a été vraiment de travailler plus sa gestuelle pour le coup que, évidemment, les expressions de son visage. Et depuis Halo 4, je trouve que 343 Industries, ils ont cette volonté de rendre le Master Chief plus humain. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. À partir du 4, on sent que vraiment il y a une relation avec Cortana. Dans le 5, on sent que vraiment il est proche de son escouade. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les explications pour Infinite, mais je trouve que ouais, il y a cette volonté de vraiment de rendre Master Chief plus humain, là où chez Bungie, il avait plus cet aspect machine et vraiment soldat quoi. Ça se voit surtout à la fin de Halo 4 quand il est dans quand la bombe elle explose et qu'il est avec Cortana dans la bulle et aussi avec et aussi à la fin de Halo 5 quand justement il se retrouve avec Locke tout ça. Enfin voilà. Oui. Oui, je te rejoins sur ce que tu disais là-dessus. Donc, bon, après, je découvrirai la campagne mercredi, donc on verra bien. Mais donc, du coup, ça reste un peu dans cette optique-là, alors de ce que tu disais. Ouais. Pour moi, c'est le gros point fort d'Halo Infinite au niveau de son histoire. C'est vraiment justement tout le côté humain. C'est vraiment l'énorme point fort. Moi, c'est ça qui a fait waouh. Ça, c'était vraiment bien fait tout le long. Alors ça les amis dans le chat, ça vous donne pas envie de faire l'infini, là je comprends pas là. En plus c'est gratos dans le Game Pass. Eh ouais. Pourquoi se priver? Ouais, on est d'accord. Donc voilà, déjà que j'avais envie, j'avais qu'une seule hâte, c'est de mettre le pied dessus. Bon alors là vous êtes en train de monter ma hype mais à 100 000% là. Là depuis tout à l'heure je suis comme ça, oh my god. Oh mon dieu, je veux faire ce jeu mercredi. Je suis limite jaloux de pas pouvoir plus y jouer quoi. Et bah du coup on parle de faire monter la hype et attendre de la faire descendre un petit peu. Tout à l'heure Bibi nous demandait ce que c'était les défauts du coup justement de ce jeu. Ah bah là, on vous laisse en parler. On vous laisse en parler justement. Les défauts. Qui veut se lancer en premier? Ah, c'est vrai que c'est. Voilà. Moi, je noterais plus des défauts techniques dans le sens où on en parlait du pop-in sur le Halo Zeta en exploration. Les chutes de framerate aussi sur les cinématiques. Oui, je sais pas si vous avez ressenti ça, c'est-à-dire que tu vas jouer à ton jeu en 60 fps et tu vas arriver en cinématique, tu tombes à 30 fps. Et d'ailleurs, même quand tu es en 120 fps, tu tombes à 30. Oui. Donc du coup, tu es en mode ah. C'est vrai que ça pose un peu problème là-dessus. On n'est pas non plus sur du problème qui vraiment ternit le tableau, mais ouais, ça fait partie des choses qui auraient pu être améliorées. C'est là que tu te dis heureusement que le jeu a été reporté d'1 an. Oui, ça, de toute façon, le report, c'était vraiment le meilleur move de 343. Ouais. Parce qu'il serait sorti l'année dernière, ça aurait été un désastre. Ça aurait été, un peu compliqué. Et merci Starry pour le follow. Et j'ai raté un follow tout à l'heure, je crois aussi. Oui, merci à tous les follow qu'on a. Oui, merci à tous les follow. Je n'ai pas l'autre follow. Si c'était Boys 1906, merci pour le follow. Yep. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Enfin, côté technique, j'avoue que j'y ai pas vraiment ressenti avant de me forcer à le regarder, en fait. Ouais. Voilà, pour la partie vraiment de pouvoir creuser pour le test, je me suis forcé à regarder un petit peu ce qui pouvait déranger, voilà, des lags ou même tout ce qui était popine. Au début, je l'avais même pas vu, hein. Et ça m'a vraiment pas dérangé, le côté technique. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le côté manque d'ambition dans le contenu, en fait. Enfin, on peut pas en parler, mais c'est dur. On peut pas en parler, mais voilà, comme on disait tout à l'heure et comme je l'ai lu sur plusieurs tests, dont le vôtre, franchement, je reste vraiment sur ma faim. Oui. Et il y a des facilités, il y a des raccourcis qui sont pris qui me plaisent pas du tout. Alors après, peut-être qu'ils seront plus tard introduits, je l'espère. Mais niveau contenu, oui. Il y a des réponses dans les audiologues et c'est ça aussi qui est dommage. Ouais, mais un audiologue, pourtant c'est sympa, il y en a beaucoup, ça rajoute un plus, mais ça vaut pas une mission de campagne. Voilà, une mission de campagne, une cinématique qui peut faire le café, quoi. Là, niveau à la fois contenu scénario et à la fois contenu, on va dire open world, certes, il y a des trucs qui sont nouveaux, des trucs qui sont intéressants, toute la partie attaque de base paria, sauver une escouade du NSC, mais c'est quand même beaucoup d'objectifs redondants et c'est cool. Franchement, il y a des nouveautés qui sont vraiment intéressantes, mais je pense qu'il y a un petit pas d'ambition qu'ils auraient pu faire supplémentaire pour avoir vraiment un truc excellent qui puisse garder les gens vraiment à fond sur la campagne, quoi. Est-ce que tu penses que, sachant que le jeu, il compte le faire durer 10 ans, surtout par rapport à tout ce qui est multijoueur, tout ça, est-ce que tu penses qu'il pourrait ajouter des DLC pour la campagne, des contenus supplémentaires, des... Il y a certaines personnes qui nous posaient la question, c'était il y a un petit moment, savoir si, parce que là en fait on va explorer un Halo, du coup est-ce qu'il y aura d'autres parties du Halo qui seront dispo? Par exemple, on pourra accéder à un TP, on pourra accéder à une autre partie du Halo. Est-ce que selon vous, à votre avis, on pourrait avoir des parties en DLC de la campagne, je sais pas si je dis ça comme ça, qui pourraient compléter tout ça, avec ce que vous avez vu en fait vous de la campagne, sans spoiler, la fin, tout ça, mais avec ce que vous avez vu, est-ce que pour vous ce serait possible ou pas? Alors à la fin, non, je rigole bien sûr. À la fin, le jeu se désintègre et notre console a explosé. Voilà, non, pour répondre plus sérieusement à la question, c'est un peu le ressenti qu'on a eu, le fait que on a l'impression qu'il y a du contenu qui va être ajouté régulièrement et qui va répondre un peu à nos questions et qui va un peu laisser atténuer cet effet de on a envie d'en savoir plus et on est un peu sur notre faim. En fait, je comprendrais pas pourquoi ils le feraient pas en fait. Oui. Enfin, oui. Il y a tout qui est mis en place pour. Je pense que ça, on peut le mentionner, j'espère. Mais en fait, la carte est grande, mais il y a un endroit de la carte. Ça m'a choqué en fait. Sur la carte, c'est divisé en fait en plusieurs zones qui correspondent un petit peu à des îles entre guillemets, parce qu'il y a des fractures en fait au niveau de l'anneau qui correspondent à des morceaux de l'anneau. Et il y a peut-être un quart de la map qui est affichée où c'est juste un passage dans l'histoire principale, et après quand on tente d'y retourner on peut pas y retourner. Oui. Et ça, moi, ça m'a choqué, voilà. Alors que au niveau distance, prendre un Banshee ou un Wasp et tout comme ça et puis y aller, voilà, c'est pas très loin, mais le jeu t'empêche d'y aller. Donc pour moi, c'est clairement un des indices, mais aussi toute la partie aussi communication autour de faire durer le jeu sur plusieurs années. Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas introduire d'autres morceaux du Halo, d'autres environnements progressifs en fait sur le Halo qui vont s'ouvrir et qui vont amener d'autres histoires, d'autres quêtes secondaires, d'autres quêtes principales peut-être. C'est clairement pensé comme ça. Pour moi, le jeu, voilà, c'est on a un squelette aujourd'hui, on a une histoire principale qui fait son taf. Et en plus, ça je l'ai noté dans le test de notre côté, mais qui sème des graines d'intrigue et qui ne donne pas de réponse. Très frustrant. Mais du coup, qui ouvre, je pense, sur des futurs DLC. Pour répondre à ta question, Max, pour moi, c'est clairement l'idée. On a vu un petit indice, c'était au premier flight test du site Halo Waypoint. La partie Halo Infinite mentionnait campagne au pluriel. Donc, ah ouais. Oui. Ça avait été assez vite effacé, mais on avait un campaigns avec un beau S à la fin. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il y aura, voilà, comme tu disais, des DLC qui rajoutent peut-être des campagnes entières. Pour moi, voilà, ce côté open world, monde qui s'ouvre en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça a été cité, un monde qui s'ouvre, parce que plus vous avancez dans la campagne principale actuelle, plus ça vous ouvre des zones avec des objectifs, c'est clairement pour en pondre une deuxième, troisième campagne derrière qui vont vous ouvrir une autre nouvelle zone, une autre grosse zone et tout comme ça. Et surtout, voilà, ce qui est frustrant et qui a été repris dans l'ensemble des reviews, c'était le côté un seul biome. Oui, c'est un seul biome. Ouais. De toute façon, les amis, tout est dans le titre. Halo Infinite, voilà. C'est infini, donc si ça fait, on va avoir des DLC tous les mois, les amis. Imagine que... ils soient un petit peu nerveux, qu'ils sortent régulièrement des DLC avec des campagnes supplémentaires et qu'à la fin, tu te retrouves peut-être dans 7-8 ans avec un anneau complet. C'est possible, hein ? Ah, mais là, me vends pas du rêve comme ça. Parce que là, honnêtement, on est à 343, je paye le jeu. Ah, mais là, moi, je mets 40 balles par DLC, moi. Pas de soucis. Prenez mon argent. Honnêtement, on en rigole, mais s'ils vendaient la campagne, je sais pas, une extension de campagne 20€ par 20€, ça ferait râler au début, mais perso, je les paye volontiers, quoi. Bon, moins que Destiny avec ses 40 balles, par exemple. J'avais parlé de... On est bien d'accord. Clairement. On est bien d'accord. J'avais parlé de Destiny, justement, je trouvais ça, c'est ça qui était bien sur Destiny, donc certes, c'était cher, mais ça rajoutait quand même pas mal de contenu pour tout ce qui est campagne. Et moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça avec Halo, parce que regardez, ils l'ont fait avec Halo Wars 2. Vous aviez du coup le DLC avec les parias que Blue Links avait fait d'ailleurs en live là, sur la chaîne. Et ce qui est bien, c'est que tous ces DLC campagne, je trouve ça top pour compléter la campagne. Donc Halo Infinite, j'espère qu'il y aura des choses comme ça vis-à-vis de tout ce que là vous dites justement depuis tout à l'heure. J'espère qu'il y aura des choses comme ça parce que pour moi, ça me semble justement important que on ait pas une suite, mais je veux dire que ça complète tout ça, par rapport à ce que tu disais Plasma pour le squelette là, le squelette de du Halo. Il faudra. Je pense que vu ce qu'ils ont fait avec Halo Infinite là, qui arrive mercredi, les suites sont déjà dans les tuyaux. Ils ont créé une histoire, à eux de la compléter. C'est ça. Comment ça, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ça on va pas s'esquiver à l'expert. C'est un petit peu la bête noire du process qui serait formidable. C'est juste que là, on a bien vu que déjà le jeu principal, il a eu du mal. Il a été reporté, il n'est pas terminé concrètement parce qu'il manque la feature principale de coop ou des trucs assez gros comme ça. Donc que si le prochain DLC, si on part sur un schéma DLC, on part du principe que ça va être comme ça. Si on part là-dessus et que le prochain DLC, le prochain morceau de campagne, il arrive dans 2 ans, ça fait un peu long l'attente, quoi. En fait, on espère que, entre-temps, on ait fini le jeu et que le jeu multi, que la partie multi soit un peu plus étoffée pour que ça nous fasse patienter pour le reste de la campagne. Après, d'un côté, là, le développement était long, mais bon, il y avait le nouveau moteur à faire. Ils ont commencé de zéro. Peut-être que là, ils vont pouvoir faire pas mal de réutilisation d'assets aussi. Ouais. Ça peut faciliter le développement aussi. Je reprends les questions dans le chat. Il y a une question intéressante d'Astari qui dit que Halo peut-il devenir un jeu service? Alors pour moi, c'est pas peut-il devenir un jeu service, c'est il devient un jeu service déjà, Il est un jeu service, ouais. Ça a été mentionné comme ça par 343, c'est clairement l'aspect Infinite, enfin Halo Infinite. Autant du choix du multi, c'est ça. Sur le multi, c'est ça. Sur la campagne, on n'a pas encore eu ce ressenti-là, mais des choses laissent penser que ça sera un jeu service. Donc clairement, oui, on peut être en plein dedans, ouais. Alors du coup, après, ce nouveau Halo répond-il à vos attentes globalement? C'est vrai que on en a pas, on a donné nos impressions, mais est-ce que vraiment on a parlé de nos attentes? Je crois pas. Je vais répondre moi oui et non. Le problème, c'est que je peux pas vraiment dire pourquoi non. Mais oui, par contre, sur tout l'aspect monde ouvert, exploration, et le côté renouveau aussi, que ce soit au niveau du gameplay et de la licence, là-dessus, 343, ils ont fait vraiment un taf de fou. J'étais pas particulièrement convaincu, moi, par l'aspect monde ouvert, je vous avoue. Quand ils avaient un peu annoncé justement ce système de cartes à l'E3 2020, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non, enfin, laissez-moi ma campagne de Halo, j'ai pas particulièrement envie d'un monde ouvert. » J'avoue que je me suis trompée, parce que vraiment, le jeu s'y prête bien. On a envie d'explorer, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe sur le Halo, et les activités sont assez variées, donc vraiment, l'aspect exploration est vraiment réussi. Je suis tellement heureux d'entendre ces mots. Oh là là, 2 jours. Mais après, au niveau de la campagne en elle-même, moi, s'il y a un truc par contre qui m'énerve, c'est le fait de ne pas pouvoir rejouer une mission. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez joué la campagne principale, donc une fois que vous avez joué les 14 missions, si je ne dis pas de bêtises, vous ne pouvez pas les rejouer. C'est-à-dire que vous avez 4 slots de sauvegarde sur le jeu. Si vous voulez refaire une mission, il va falloir recommencer une partie. Et ça, j'avoue que... C'est une aberration. Enfin, je sais que c'est le truc, ça m'a choqué dans le run de test. C'est vraiment, mais surtout qu'ils introduisent des collectibles exclusifs aux campagnes. Donc, c'est peut-être parce qu'aussi le jeu, vu qu'il n'est pas sorti officiellement, peut-être qu'avec justement le gros patch qui vont sortir là mercredi, avec cette sortie, le patch pour tout ce qui est multi, même pour la campagne, peut-être que tout ça, c'est peut-être des choses aussi qui vont arriver mercredi, non? Ou c'est vraiment, là, c'était vraiment jeu final Pour moi, ça nous a été livré comme le jeu final, hein. Ouais, pas à l'abri que ça se trouve, ça arrive, des petits trucs, des petits détails comme ça qui seraient corrigés directement pour mercredi. Bah, il peut y avoir un patch Day One, mais là, faut considérer que c'était la version Gold, en fait. Parce qu'on avait l'intégralité du jeu. Moi, j'avoue, j'ai envie d'être optimiste, mais il y a une partie de moi qui n'y croit pas. Parce que c'est une version review et que techniquement, on est censé avoir le jeu fini. Mais en soi, ça colle avec une logique d'un jeu en monde ouvert. Hein. Tu prends, tout à l'heure, on parlait des Assassin's Creed, on peut pas les recommencer, les campagnes non plus, enfin les missions de campagne. Oui. Mais là, on mélange ça avec le principe de Halo. Enfin, on garde l'aspect campagne quand même principal de Halo de base, on intègre des collectibles exclusifs et qui sont trouvables que dans les missions. Il y a un truc qui va pas. Enfin... Mais après, par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites là-dessus, donc ça, ok, pour la campagne principale, on peut pas refaire ces missions. Mais on est d'accord qu'il y a des missions secondaires, de ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, est-ce que ces missions secondaires, on peut les refaire justement? Est-ce qu'on peut les rejouer plusieurs fois, ces missions-là? Non. En fait, c'est pas... 353, j'ai foutu quoi, là? En gros, c'est pas des missions secondaires, genre en mode, t'as pas un journal de quête qui te dit tiens, tu vas au point là, boum, et t'as un truc genre quête achevée, tu vois. On va dire que c'est plus un système de points d'intérêt sur la carte. Ouais. Où tu vas faire ce qu'il y a dessus, et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est typiquement... on parlait des avant-postes tout à l'heure. Une fois que tu en as un, tu l'as, définitivement. Ouais. Bah, du coup, s'ils partent sur ce concept, on revient du coup sur ce qu'on disait avant, ils vont forcément, enfin j'imagine qu'ils vont forcément faire des DLC, parce qu'au final, si on a déjà tout fait ce qui est sur la map, après en soi, on aurait théoriquement plus rien à faire. Bon, j'imagine qu'il y a encore des choses à faire, mais du coup, il y aurait forcément des DLC qui arriveront par la suite, parce qu'un Halo, quand on fait les Halo, on a tous fait tous les Halo, sur les Halo, on sait très bien que les campagnes, on peut les refaire quand on veut, on peut les refaire en légendaire, on peut refaire tout ça. Donc là, ce qui veut dire que, par exemple, on a envie de refaire une mission, je sais pas, j'ai une bêtise, je vous ai dit qu'il y avait 14 missions, sur la mission, imaginons la mission 8, si on veut la refaire en légendaire, du coup, on est obligé de refaire toute la campagne, ça, ou alors avec notre slot de sauvegarde. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, typiquement, quelqu'un qui veut récupérer tous les crânes, bah, s'il a raté le crâne de la deuxième mission, bah, il faut qu'il recommence de zéro. Ouais. Il faut qu'il recommence de zéro, en fait, parce que j'imagine que les 4 slots, ça correspond théoriquement à facile, normal, héroïque et légendaire, c'est ça hein? Même pas. Non, même pas. Non, ouais. Non, ça c'est totalement pareil. Ils ont pas mis 4 slots, je veux dire. Ouais. En fait, ça fait vraiment un mélange incohérent, quoi. C'est prendre le concept du jeu en monde ouvert, qui est totalement normal, hein. Comme on le voit, il va y avoir Badami qui le dit dans le chat, hein. Rejouer une mission dans un monde ouvert, ça n'a aucun sens, parce que voilà, c'est une progression. Il y a des événements, ce serait pas logique de revivre ces événements. Dans la gestion du monde ouvert, tu vas pas aller prendre une base ennemie, puis après hop, refaire une mission en arrière qui te refait affronter un boss ou quelque chose comme ça, enfin, ce serait pas logique. Mais couplé, enfin, c'est une logique totalement monde ouvert, mais couplé à la conservation du mode de Halo classique, c'est pas logique. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est le mélange des deux qui colle pas. Voilà. Après, ça viendra peut-être. Ils vont nous faire des grosses surprises qui vont arriver dans ces prochains mois, on va pas être prêts. Ou alors mercredi, ils vont tout mettre d'un coup. Non, bon, mercredi, bien. En fait, la campagne que vous avez eue, c'était que 10% de la vraie campagne. Allez. Voilà. Exactement. Oh, wow. Et on a le COP qui est finalement disponible. Oh non, je rêve. Là, tu vas trop loin. 90% du jeu caché, oui. La COP, non. J'avais une question intéressante dans le chat. Juste pour terminer sur... Je suis désolé, hein, je te reprends. Vas-y. Pour terminer sur le côté assez punitif en fait, de la progression de la campagne principale au niveau de la collecte de collectibles, enfin, les crânes et les audiologues qui sont cachés dans les campagnes principales, il y a quand même... Il y a un système qui contrebalance, c'est le fait que la progression des collectibles de tous les slots de campagne est partagée. C'est-à-dire que tu termines ta campagne, t'as oublié par exemple 2 crânes dans la campagne, tu relances une campagne sur ton deuxième slot, et tu vas conserver en fait tout ce que t'as débloqué, et tu pourras, on va dire, sur celle-ci débloquer tes 2 crânes, et ils seront automatiquement débloqués sur toutes les campagnes, quoi. Ah, attention, on conserve uniquement les objets, enfin tout ce qui est collectionnable. Oui, voilà, c'était vraiment le côté que les tips qu'on loupe dans la campagne principale peuvent quand même être récupérés dans une seconde campagne et seront débloqués pour toutes, quoi. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'était pour pas, tu sais, justement, parce qu'on parlait des évolutions des équipements tout à l'heure, pas que du coup. Oui, c'est vraiment que audiologue et crâne qui sont déverrouillés de tous les côtés. Voilà. Donc du coup, j'enchaîne avec une question. Moi, je la trouve bien cette question. C'est donc c'est Audrey qui pose la question. Peut-il être un premier Halo pour un néophyte? Et entre parenthèses, potentiel cadeau de Noël. J'ai envie de répondre oui et non. Oui pour le gameplay, oui pour l'exploration. Il y a vraiment tout ce côté-là qui mérite d'être découvert, même par un néophyte. Là où, par contre, tu peux être un peu largué, c'est sur l'histoire vraiment et sur tout le lore du jeu. Même si voilà, on est sur un soft reboot, entre guillemets, il y a quand même des éléments scénaristiques qui font que tu risques de pas forcément t'y retrouver. Donc à ce moment-là, on l'avait dit en début du focus, si vous voulez vous renseigner sur l'histoire de Halo, Halo.fr, ils ont fait des trucs. Ils ont fait plein de dossiers vraiment récapitulatifs, donc il y a moyen que là-dessus vous puissiez vous faire un petit résumé et un petit avis avant de pouvoir lancer Halo Infinite. Après moi je suis un peu plus mitigé sur ton avis. Ouais. Parce que je trouve que... Il me semble en plus que 343 l'avait annoncé comme ça, hein, le fait que tout joueur peut commencer avec Infinite. Alors certes, il y a des pans de l'histoire qu'on peut pas comprendre sans avoir des informations qu'on peut pas avoir sans avoir fait les autres jeux ou sans avoir épluché d'autres médias. Mais l'histoire de Infinite est quand même propre au jeu et ne dépend pas forcément... Enfin, il n'y a pas des éléments incompréhensibles si on n'a pas fait l'avant. Par exemple, on va avoir du mal à cerner, par exemple, ce que sont les parias, parce que les parias, ils sont introduits avec Halo Wars 2, et puis ils sont introduits dans d'autres médias à côté. Mais c'est pas bloquant pour vraiment l'histoire d'Halo Infinite. C'est-à-dire que si tu commences avec Infinite, tu ne seras pas non plus perdu dans... Bah, fondamentalement, Totalement, les parias, on se rend compte que bah, c'est la guerre avec les humains, il faut les tuer, quoi. Bah, comme l'étaient les voilà. Covenants sont au début. Hein. Oui. Ils ont la même introduction que les Covenants de Halo CE. De toute façon, ils sont en face de nous, on a un flingue. Voilà. On dégomme tout. Ouais. Il nous faut une arme. Ce que je veux dire, c'est que vraiment Infinite a sa propre histoire. Ouais. Alors ça, oui. Qui fait suite hein, à celle d'avant, ouais. Mais qui a vraiment sa propre histoire qui l'étoffe lui-même, en fait, et qui est compréhensible par n'importe qui. Après, c'est plus pour... quand je disais le côté largué, c'est plus pour l'appréciation du lore, de manière générale. Ah oui, non, mais complètement. On va te parler de Forerunner, on va te parler de ça, ça et ça. C'est vrai que si tu n'es pas un minimum familier avec le monde de Halo, bah, tu es en droit de te poser la question, mais qui sont les Forerunners? C'est quoi un Halo? Enfin, voilà, il y a des petites questions comme ça que, oui, tout joueur de Halo connaît. Mais ouais, quand t'es tout nouveau, ça peut être un peu déroutant, entre guillemets. Et c'est vrai que oui, si on prend l'histoire de l'Infinite en elle-même, je suis d'accord que ça se laisse comprendre. Mais c'est aussi peut-être intelligemment pensé pour le coup de la part de 343 qui se dit on fait une campagne qui suffit à elle-même et que n'importe qui peut comprendre de bout en bout, mais qui a des éléments qui vont te pousser à ben, aller faire les anciens jeux, lire des livres, te renseigner. Oui. D'ailleurs, c'est là que je me rends compte que j'aurais dû lire les livres, parce qu'il y a des petits éléments dans les livres. Ah bah, qui font que vraiment... Petits éléments de celui-ci, là. Ouais. Puis, bientôt le prochain. Et ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'on a fait le tour, nous, globalement, du jeu? Je réfléchis sans bien sûr parler de l'histoire. Au niveau des armes, au niveau de la campagne, ouais. C'est plutôt bien équilibré selon vous? Enfin, je veux dire, côté armes paria, côté armes humaines, parce que c'est vrai que c'est pas une question qu'on pourrait forcément se poser. Mais vous qui avez joué, vous avez pensé quoi là-dessus? Au niveau des armes, juste les armes, comme ça un petit peu. Les armes, et après on parlera vite fait des véhicules. Mais au niveau des armes, vous en avez pensé quoi? L'équilibrage de tout ça? Il y en a certaines que tu vas pas utiliser. Parce que justement, avec le système d'avant-poste, quand tu vas explorer, tu peux choper les armes que tu veux. Oui, c'est ça que j'entendais ce que disait tout à l'heure Plasma. En fait, à bout d'un moment, t'as tes armes que tu veux, c'est ça en fait. Ouais, les armes UNSC. Quand t'es en monde ouvert, ouais. UNSC, ouais. Non, seulement humaine. Parce qu'on récupère des... On récupère d'autres armes UNSC dans les bases avancées? Non, on récupère des variantes d'armes... Ah oui, des variantes d'armes UNSC, oui. Non, c'est des variantes d'armes UNSC. Non, parce qu'après, tu peux récupérer sur les cibles prioritaires qui te lâchent une arme. Tu peux la récupérer aussi. Elle est disponible dans ta base UNSC. Ah, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des armes. Le piu-piu modifié, je me rappelle que tu peux le récupérer. Oui, ah ouais, mais c'est une arme UNSC à la base. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. De quoi, le sidekick amélioré, tu parles? Ou non, le pistolet plasma. Quand tu tues une cible prioritaire et que tu élimines toute son escouade, tu récupères cette arme et tu peux la commander dans ta base UNSC. Ah bah tu vois, je suis pas tombé dessus. Ah, bon bah... voilà. Bon bah voilà, c'est bien d'avoir été plusieurs à avoir fait le test. Ça dérive un petit peu de la question de Max, mais... et du coup, pour rebondir sur les véhicules, alors c'était comment? Pouvoir prendre un Banshee et partir en haut de la map comme ça, même le Wasp, c'était pas mal ou... Ah, c'était bien, ouais. Ce qui est cool en fait avec ça, c'est que t'as vraiment... Enfin, à partir du moment où tu débloques le Wasp, tu peux te dire que tu as tout débloqué, parce que vraiment, littéralement, tu vas passer ton temps en Wasp à essayer d'explorer un peu partout. Alors certes, bien sûr, au début, tu te prends au jeu de te balader en Warthog, etc. Mais après, oui, forcément, quand tu débloques un véhicule aérien, tu te dis, vas-y, moi, cette montagne, je veux y aller. et je veux savoir ce qu'il y a en haut de cette montagne. Donc oui, forcément, on parlait du level design un petit peu avant. Le level design, il est quand même assez vertical. Globalement, donc oui, tu vas vouloir prendre un véhicule aérien ou ton grappin pour gravir des montagnes, des structures, etc., voir un peu ce qu'il y a. Donc ouais, là-dessus, le feeling des véhicules, la conduite du Warthog, par exemple, c'est plus une savonnette, ça c'est bien. Enfin, je trouve. Un peu trop même, je trouve. La Mangousse qui fait des demi-tours départ V12 comme ça. Oui. Ouais. Donc ouais, non, feeling des véhicules. Bon, après, si t'as... Bah oui, t'as joué au multi... on va dire que ouais, la conduite dans la campagne, tu seras pas dépaysé, quoi. On est littéralement là-dessus. Et puis même, c'est pas des environnements trop fournis. C'est-à-dire que même si tu prends le Warthog, tu vas pas avoir des forêts et des montagnes tout le temps. tu vas avoir quand même des fois des grandes plaines, des trucs qui vont te pousser à prendre plus des véhicules terrestres qu'aériens. Donc, ça, c'est une vérité à un moment donné de l'histoire ou sur une certaine carte, parce que je sais qu'au début, j'avais énormément de mal, j'avais envie de faire plein de tours de mangouste de partout. Et je sais pas pourquoi, j'étais dans une zone ultra montagneuse et c'était infernal. Et du coup, je pouvais rien faire avec ma mangouste. Alors qu'après, à un moment donné, il y a des zones qui sont un peu plus plates, un peu plus forme de plaine. Et là, c'était agréable de conduire des véhicules terrestres. Mais, je me demande si c'est pas pour te forcer à utiliser le grappin pour vraiment être à l'aise avec au début. Ah, c'est possible. Probablement, hein. Tiens, ça me fait penser à un truc. On voit souvent du coup des vidéos de Halo Infinite où justement c'est un peu dans cet univers un peu donc plaine, montagneuse, tout ça. Mais est-ce qu'on a des décors un peu neige, un peu désertique, tout ça dans cette campagne, ou c'est vraiment que dans ce type-là? Non. Non. Un gros point noir. Ouais. On dit un biome, c'est un seul biome, ouais. Ah, c'est vrai que ça, c'est... C'est le biome qu'il y avait un peu... Ouais. Ah d'accord, je pensais vraiment qu'il y avait un peu de tout, ok. On va dire, bah, c'est vrai que ça a été un peu une des attentes. J'en fais partie, ouais, de voir vraiment des biomes assez différents, notamment des biomes un peu de neige, etc. C'est vrai que, allez, tu vas croiser des lacs, des marécages, des vite fait, ouais, ce genre d'environnement-là. Mais on reste, là, ce que vous voyez en gros à l'image, c'est le biome, on va dire, principal. C'est ce qui fait 90% de la zone de jeu, je dirais. Si on enlève les structures en intérieur. Hein. Il y a une zone de neige, je crois, un endroit au sud-est de la map, il y a une grande montagne avec de la neige. Oui. Mais c'est tout. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment tout petit, quoi. C'est pas quelque chose d'immense à explorer à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est peut-être le point noir du jeu, parce que le monde ouvert en lui-même est vraiment très cool à parcourir. Mais ouais, on est sur des environnements peu variés au final. Donc, ouais, c'est dommage. C'est exactement ce que disait Astari dans le chat, exactement ce à quoi je pensais. Ça se trouve, les autres biomes seront dans des DLC, on aura un biome désertique, un biome enneigé. Ça sera le DLC montagne, le DLC volcan, le DLC... Ah, exactement ce à quoi je pensais. Ah, en vrai, peut-être. Hein. Peut-être que ça va être comme ça. Pour mais voilà, s'ils arrivent avec du contenu scénario, je signe. Hein. Moi, j'achète n'importe quel biome. Je 10 balles le biome, j'achète. Parce qu'en plus, le biome neige, enfin, depuis Halo Combat Evolved, hein, on l'a, donc techniquement, un biome neige, c'est pas quelque chose qui choque, quoi. Ouais, mais disons que Combat Evolved, tu étais plus sur toute la surface du Halo. Enfin, ouais, tu baladais, tu prenais les pélicans, hop, la mission t'emmenait ailleurs sur le Halo. Pélican, je crois qu'à un moment, il fait quoi, 2 km? Christophe qui dit le point noir c'est les collectibles trop nombreux à collecter justement. Je suis d'accord sans être d'accord. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tant que ça. On a vraiment tant que ça au point que ce soit gênant. C'est vrai. Ouais, il y en a beaucoup. Parce que moi je suis le genre de joueur, il y en a 40 000, j'ai récupéré 40 000. Vous voyez les mecs sur Assassin's Creed qui avaient la map immense qui récupérait tout. Et ben moi je récupère tout. Bah, disons que pour ça, on n'est pas sur le collectible à la Assassin's Creed où tu dois collecter un drapeau et t'as collecté un drapeau. C'est-à-dire que c'est un collectible utile. Dans Halo Infinite, les audiologues sont là pour compléter l'histoire. Tu vas avoir des collectibles pour améliorer ton armure. Tu vas avoir des collectibles cosmétiques, entre guillemets, où tu vas pouvoir les utiliser en multi. Donc en gros, tu as des caisses que tu auras un peu partout réparties sur le Halo qui vont te permettre de débloquer des skins multi. Donc on n'est pas vraiment sur du collectible en mode « Ah, vas-y, je vais récupérer mon 90e drapeau sur la carte et ça va me servir à rien à part dire que j'ai débloqué 90 drapeaux ». Là, on est sur quelque chose de plus utile, donc moi, ça me dérange moins. Enfin, personnellement, ça me dérange moins. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bah, pareil. Ouais, il n'y a pas un seul collectible que j'ai trouvé inutile. Et en plus, disons que t'as un peu d'aide pour en trouver certains. Oui, t'as des petits systèmes, on va pas en dire plus, mais t'as des petits systèmes qui te permettent de les trouver quand t'es pas loin. Ouais. Donc, et puis il y en a qui sont sacrément bien planqués. Oui. Ah, je peux dire qu'il y en a, ils vont occuper du monde. Hein. Bon, ceux qui veulent faire sans guide, parce qu'après, une fois qu'on a le guide, ce sera simple, mais... Il y en a. Pour écrire les guides, ça va déjà être compliqué. C'est maître explorateur à un moment donné qu'il faut être pour. Ah grave. Tellement ça. Bon, bah, du coup, de ce que j'ai compris, je vais pas être déçu, moi, avec mes collectibles. Non. Ah non, 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 là-dessus, là-dessus, tu peux y aller, il y aura pas de souci. Bah, il y a, quoi, il y a... Ça sert à quelque chose, quoi. Il y a, ouais, il y a plus d'une dizaine de crânes, il y a une centaine d'audiologues, il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Oh, ouais, ouais. Centaine, quand même. Plus tout le système pour les équipements, plus le multi. Il y a amélioration d'équipement. Hein. Donc oui, il y a facilement, je dirais 130-140 collectibles. Ouais. Sachant que bah, tout ce qui est amélioration d'équipement est indiqué directement sur la carte, hein, tu peux les voir les points d'intérêt et puis t'y rentres, donc voilà, c'est un peu du farm. Par contre, tout ce qui est ouais, crâne et audiologue, walou, hein, c'est... tu les trouves dans la pampa, débrouille-toi. Donc dans un monde bien ouvert, c'est pas évident à tout collecter, je pense. Et du coup, Plasma, parce que c'est vrai que cette question revient énormément dans le chat depuis tout à l'heure, ton chat, du coup, il prend la parole quand, en fait? Parce qu'on attend. Ah, des fois, elle parle, elle me casse les oreilles, là, ça va, calme. On a entendu un marron tout à l'heure, mais ouais. Ah oui, c'était pour s'annoncer. C'était marron, j'arrive. Qu'est-ce que tu as pensé de Halo Infinite? C'est juste pour la vidéo, tu sais, avec le Master Chief qui retire son casque et qui est un... Ah oui. Voilà. C'est vrai que c'était pas mal, ça. Bon, je pense qu'on va... Alors, je finis avec une dernière question et après on pourra enchaîner. Il y a toujours le saut grenade plasma pour les collectibles. Et bien en fait, pour moi, j'ai envie de dire, maintenant, il est devenu inutile. Ce saut grenade jump. Ouais. Voilà, maintenant, il y a le grappin. Donc, tu n'as plus d'utilité à faire du grenade jump. Vraiment, le grappin te permet de te propulser vraiment où tu veux, sans dégâts. Donc ouais. Surtout qu'il fait élastique. C'est ça. On l'a pas mentionné là dans le live de ce soir, mais ce qui est monstrueux, c'est qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Oui, c'est vrai. Tu peux partir du plus haut de la map, te jeter dans le vide, sauter d'une montagne. Ah, il n'y en a vraiment pas? Je pensais qu'il y en avait un. Non, non, non. Sorti, il est devenu flex des genoux. Hein. Hop, là. Avant, je me suis amusé, je voulais monter vraiment tout en haut d'une structure. Et je crois que la chute a duré 40 secondes à peu près. Et t'as rien. Ouais. Ah la vache, ah oui. Étonnant, mais au moins, voilà. Bah, ça t'encourage à utiliser le grappin à outrance. Oui. Bah ouais, ça t'encourage à aller partout, vraiment. C'est ça. C'est ça. Ce qui prime, c'est l'exploration. La liberté. On a tous hâte d'explorer ça et... Oh mon dieu, je me sens honteux, ça n'a pas été fait. Mais je pensais que ça avait été déjà fait depuis le temps. Mais on va follow à partir de maintenant la chaîne. Voilà. Oh, désolé. Follow, mais merci à l'OFR. Merci pour le follow à l'OFR. Alors pour nous, dans notre cœur, c'est déjà fait, mais en fait, le compte Twitch, non, il n'avait pas envie. Bon, bah écoutez, maintenant c'est fait, voilà, officiellement. Après, je sais même pas si Xbox Squad suit à l'OFR. Si, parce qu'on s'était posé la question il y a quelques semaines et on s'était rendu compte qu'on avait fait le même petit oubli. Bon. Ouais, bah, c'est seulement maintenant je me dis, attends, on ne suit pas la chaîne, c'est pas possible, ça. Bref. Bon, bah, en tout cas, voilà. On aurait pas mal de petites infos ce soir. Même moi, en tant que membre du staff Halo.fr, il y a des petites infos que j'apprends aussi là ce soir. Donc, ça fait vraiment plaisir. Parce que je t'avoue, Plasma, j'ai pas encore eu le temps de lire tout ça, tout l'article sur les points, là. Hein. T'es viré. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de tout lire aujourd'hui, malheureusement, que le boulot. Mais en tout cas, c'est cool que vous ayez pu tester tout ça. Et franchement, ça fait plaisir tout ce qu'on a pu parler ce soir. En tout cas, Max, même si tu lis mon article, va lire l'article d'Ashaika et regarder la vidéo de Jess. Hein. Vraiment, moi, je les ai vus. C'est prévu pour ce soir. C'est prévu pour ce soir, je comptais faire ça après, j'aurais aimé faire ça avant ce live, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Ah ouais, on est tous... Ah merci mon petit Wizbot. Toujours efficace d'avoir un Wizbot. Après, dernière question, et on enchaînera avec un petit jeu. On avait déjà répondu à la question, Christophe, pour la durée de vie du solo. Pour la campagne, c'était 8-10 heures à peu près, vraiment que l'histoire principale. Et pour le jeu, après, de manière globale, on est sur du 20 heures. Sur vraiment l'aspect secondaire, exploration, on est sur du 20-25 heures à peu près. Pour terminer les points d'intérêt de la carte, hein. Je pense que si tu veux terminer les collectibles par toi-même, c'est exponentiel. Petit x2 x3 facile, je pense. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va faire revenir la régie. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'en fond, c'est... Non, c'était un très bon focus même de vous entendre. Moi, pour le coup, j'ai pas eu le temps aussi de voir tous les tests. Mais très hâte. Petit quiz pour terminer, les amis. Quelques questions. Assez facile, mais bon, voilà. Je pense qu'on va aller crescendo. Première question. Lors de quel événement Halo Infinite a été dévoilé au grand public? On peut répondre 2018. Alors, il y a plusieurs réponses en même temps. Le sniper. Ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Azmi, on peut répondre nous aussi ou c'est que pour le chat? Ah non, non, allez-y, allez-y. Pour le chat, c'est vraiment tout le monde. E3 2018 pour moi. C'est ça. Ouais. Max E3 aussi. E3 2018. D'accord. H. Pareil. Avec pareil. Ce petit trailer. Ok, le chat a dit pour l'instant deux réponses. E3 2019, E3 2017. Le chat, c'est entre les deux. La bonne réponse était en effet E3 2018. Donc oui, on a eu de belles choses. Très surpris. Qu'est-ce que vous pouvez retenir, en tout cas de l'E3 2018 que... On avait enfin un nouveau Halo d'annoncer. Oui. Pardon. Moi, je retiens qu'ils ont conservé ces anneaux qu'on voit dans le trailer de l'E3 2018, ils sont dans le jeu. Ouais. Oui, c'est vrai. On s'est demandé pendant longtemps ce que c'était, maintenant on le sait. Voilà. Ben, globalement, ouais, ce qui a été montré, mais même sur tous les E3, hein, toutes les vidéos, inclus la vidéo de l'E3 2018, on est vraiment sur... On n'est pas sur quelque chose de mensonger avec des annonces waouh machin, non, vraiment tout y est, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment des éléments du jeu qui ont été, ouais, ont été utilisés. Il y a juste le Master Chief qui a changé d'armure entre temps. C'est vrai. Mais pour une armure, franchement, l'armure de Infinite est vraiment ultra classe. Pour moi, c'est vraiment l'armure parfaite pour le Chief. Hein. Ouais, je suis d'accord. 100%. Deuxième petite question. Combien de jeux Halo sont sortis sur Xbox 360? 5. Si vous avez le chiffre exact, je vais vous les demander du coup. Je peux? Oui. Vas-y. Il est chaud. Halo Reach, Halo CE Anniversary. Attends, Xbox One. Hein. 360. Non, Xbox 360, j'ai dit. Ah, 360. Ah ouais. Oui, non, moi j'étais sur le One. Donc Halo Reach, Halo CE Anniversary. Halo 4. Ouais. Ah, j'ai un trou là. C'est pas évident comme ça, hein. Halo 3. Mais attendez, mais il y en a plus que ça pour moi. Oui, Halo 3, 360. Halo 3, Halo 3 DST. Ouais. Vous êtes bon pour l'instant. Ça fait 5. Attends. Est-ce qu'il y a eu Spartan Assault et Spartan Strike? Ils sont sortis sur quoi ceux-là? Est-ce que vous comptez aussi ceux-là du coup? Ouais. Est-ce que je... Halo 2 c'était Xbox original, ouais. Fred. Ça je suis sûr. J'ai dit combien de jeux Halo sont sortis sur Xbox 360? Oh, j'ai un doute pour Strike et Assaut. Parce que oublie pas, attention qu'il y a les Halo Wars aussi, Plasma. Halo Wars 1. Halo Wars 1, ouais, il est sorti sur 3.6 aussi. C'est sur 3.6, on a le 3, le 3DST, Halo Wars. En fait, on a déjà Halo 3. T'étais sur la bonne voie. Donc du coup, Halo 3, Halo 3 DST, Halo Wars, Halo Reach, Halo CE Anniversary, donc ça fait 5 comme je disais. Oui. Mais il y a Halo 4 aussi. Oui. Oui. On a 6. On a 6 jeux. Oui. Il n'en manque plus qu'un. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Spartan Assault. Oui. Ouais. Exact. Voilà. Voilà. Ok, bah c'est toi Plasma qui l'évoquait, j'avais compris. On est sur un total de 7 jeux. Ah, j'étais presque, j'étais à 5. Ok, tu vois comme quoi. C'est pas évident, hein, même après des années. C'est un peu comme les 7 nains. Il y en a un qui est en mode ah, il m'en manque un. Contre 2 sur One, Frédérico. Oh, il n'y en a pas eu que 2 sur One. 3 avec la MCC. À vérifier, je sais pas du tout, je veux pas vous dire de bêtises. Ça, parce que sur Xbox One, il y a Halo 5, Halo Wars 2. Il y a eu... Alors, c'est vrai qu'on a... On a vu quelqu'un qui s'est penché, qui nous a acheté un truc de Plasma. Oh, incroyable! On l'a pas vu venir! J'espère que c'était pas le chat. Oh, ben surtout pour apporter des Haribo. C'est incroyable! Incroyable! C'est incroyable! C'est beau! Bon, c'est un héros. Ma copine elle m'a ramené à boire. Moi, c'est... Toi, Plasma, voilà, c'était la bouffe. Moi, c'était à boire. Je dirais pas ce qu'il y a dans ce verre. C'est de la grenadine! C'est de la grenadine, Max. Exactement, c'est de la grenadine. On enchaîne avec la troisième question. Dans Halo CE, quelle installation est détruite? On veut le numéro de l'installation. On veut 4, le 4. Installation 04, je crois. 04, oui, en effet, vous êtes unanime. Ils sont forts, ils sont forts. Facile. Installation 04. Quelle est l'installation d'Halo Infinite? Non, Question numéro 4. Dans Halo 2, comment s'appellent les prophètes? Prophète du regret, de la vérité et... Prophète du regret, ouais, du regret, de la vérité et prophète... Ah, le troisième bolo aussi, il s'appelle comment? Vous êtes bon pour le moment. Pitié, ah oui. Pitié, en effet. Ouais. C'est pour voir que c'est Pitié, en effet. Ouais, Pitié qui croit comme une merde. Pardon. Ceux qui ont des testicules sous les oreilles, c'est comme ça que je les appelle. Oui, moi aussi, c'est comme ça que je les appelle aussi. Hein, t'inquiète pas. Chaque fois qu'ils voient le chef, ils ont les boules. Voilà. Oh, ah, waouh! Wow. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Sinon, dans Halo 3, que fallait-il faire pour débloquer le casque Hayabusa? Un succès Vidmaster? Non. Non, ça c'était le katana, je crois. C'est les Vidmasters, c'était dans ODST pour débloquer la Recon. Ah oui, non, c'est la Recon, pardon. Il y avait des Vidmasters. Yakuza. Ah putain, il fallait faire quoi? Le Yakuza? Attendez, c'était un de mes casques préférés sur le 3. Ouais, non, Frédéric, c'est que la Recon. Faire les succès Vidmaster pour débloquer la Recon, je crois. Le katana, le casque Recon, je crois que c'était ça. Putain, on va dire que c'est... Il ne fallait pas jouer à Ninja Gaiden 2, pour le coup. Pour débloquer le casque Yabusa, c'était pas des succès, des succès à débloquer, je crois. C'était pas le mode légendaire. Techniquement, c'est lié à des succès. Oui. Mais c'est pas. Ah, les crânes, trouver les crânes. Eh oui, les crânes. Tout à fait. Exactement. Trouver tous les crânes, ouais, trouver tous les crânes. Exactement. Bien joué. Trouver tous les crânes du jeu. Damé était sur la bonne voie. Oui. En fait, j'ai pensé à l'instant où il l'a marqué, donc ça a confirmé ma réponse. Sixième question. Dans Halo 3. ODST, est-ce qu'on peut voir un easter egg de Destiny? Vrai ou faux? Vas-y, il faut qu'il y en ait un qui dise vrai et l'autre faux. Et je crois que c'est vrai. Ça doit être le symbole du jeu, non? Oui, le symbole du jeu sur Master Chief en bas, non, c'était pas ça là. Jess. C'était ça. En fait, dans Halo 3 ODST, la version 360, attention, on avait en effet un easter egg de Destiny où en fait c'était une affiche à la fin du jeu où on avait la Terre et on avait la Lune juste au-dessus qui du coup faisait référence aux voyageurs de Destiny. Ah, et dessus, il y avait un message, j'ai plus le message en tête, mais il y avait marqué Destiny dessus, donc vraiment des choses qui rappellent le jeu évidemment. Donc en fait, Bungie était déjà sur Destiny en projet à ce moment-là, en projet secret. Et par contre, dans la Master Chief Collection, l'Easter Egg a été remplacé puisque Microsoft en fait n'avait pas les droits d'exploitation du coup de l'Easter Egg et de Destiny, donc ils l'ont remplacé par une affiche banale dans le jeu quoi. Donc si vous avez la version 3.6, vous verrez l'Easter Egg, mais pas sur la Master Chief Collection. Exactement. Okay, pendant que Plasma se bat. J'ai tout écouté, je me bats avec le chat, mais j'ai tout écouté. Tu gagneras pas, c'est ça le problème. Question numéro 7. Dans Halo Reach, combien y avait-il de membres dans la Noble Team? 6. Il y en avait 5. 6. Non, 6. 6. Leur nom s'appelle Noble Team. Au tout début, avant que tu n'intègres la Noble Team. Ton perso s'appelle Noble Team. Parce qu'il y avait June, il y avait... Oui, bah oui. Il y a Kelly. Oui, c'est vrai qu'avec Noble Six, du coup, bah oui, logique. Ouais. Et oui. Pour le coup, exact. Question numéro 8. Je lis le chat. Je viens de lire le chat aussi. J'avais pas vu. C'est bien le pour info. Est-ce que t'as utilisé le ad permis de terme? Oui, mais ouais. Oui. On a autorisé Zizi, voilà. C'est le lien, c'est quand même la personne qui m'a acheté les Haribo. Hein. Je tiens. Ça fait mal. Le lien. Je suis fan. Avant-dernière question. Avant-dernière question. Dans Halo 4, après combien de temps le Major oh, cette fatigue. Le Major se réveille. 3 ans. Vous avez la date exacte? Alors, ouais, si vous avez la date exacte, vous êtes très fort, mais on acceptera une marge d'erreur. Oui, la fatigue. Attends, tu peux reposer la question? Oui. en prononçant correctement. Dans Halo 4, après combien de temps le Major se réveille-t-il? Après les événements d'Halo 3. Hein. 34 oui. mois, c'est... Je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'à l'époque, je pensais à plus longtemps, mais au final, moins que prévu, et je me rappelle plus. Alors là... Alors, au moins le nombre d'années. C'est pas 15 ans après, je crois? Non, parce que sinon Cortana aurait déjà disparu. 35 ans. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Non, ce n'est pas 20 ans. Exact, c'est vrai que sinon Cortana aurait déjà disparu, ouais, exact. Ce n'est pas 2 ans et demi non plus, comme pourrait le dire la Toulousaine. C'est 4 ans après, je crois, ou 5 ans, non? Alors, on est sur l'année. On est sur l'année, on est sur du 4 ans. On part du principe qu'une IA, sa vie, ça commence à être au bout de 8 ans. Au bout de 7-8 ans, je crois, c'est ça? 7 ans, la frénésie, ouais. Ouais, voilà, voilà, oui, c'est ça, voilà. Ouais, au bout de 7 ans. Donc, du coup, théoriquement, elle est restée là-haut, bah quoi. Enfin, ils sont, du coup, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans? Non, 4 ans. 4 ans, 4 ans ouais. 7 mois et 10 jours. Parfait. Ça fait une sacrée sieste. Exactement, oui. Question pas évidente, hein, pour le coup. Vor nous dit c'est en 2257. Alors oui, on demandait pas... en 2257, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'était plus vraiment le temps qui s'est écoulé entre oui. Halo 3 et 4, le sommeil en fait ouais. du Major entre les deux opus, quoi. Et ouais, c'est Cortana qui le dit au début de Halo 4, le sommeil du Major. Major, j'ai essayé de vous réveiller, mais vous ne vouliez pas aller travailler. Non, on dirait la réplique de tous les matins, ça. C'est à peu près ça, ouais. Et pour conclure cette 9e question, du coup, dans Halo 5, comment s'appelle le chef de la team Osiris? On finit facile. C'est oui. Locke. John Locke. Jameson Locke. Exactement. Exactement. Question simple, en effet, pour terminer. La grosse Locke. Tire à balle réelle. Allez, ça c'est cadeau. Ah ouais, j'ai pas aimé Halo 5. Je le défendrai pas. Je n'ai pas du tout aimé Halo 5. Et voilà, on en a terminé pour ces petites questions. Un peu moins. Eh ben, c'était fort intéressant. Je les retiens pour un futur quiz à l'eau. Ah oui, Max, c'est quand que tu nous fais un grand quiz à l'eau là? Eh ben, on a déjà fait un grand quiz à l'eau cet été. Et d'ailleurs, tant que je suis là, merci Xbox Squad, parce que c'est vous qui nous avez donné l'idée du caout. Vraiment très complet et très très bien d'ailleurs. C'est bien pour les quiz. Ah oui, il est absolument génial. Et donc, oui, on risque d'en refaire un par la suite. Donc, peut-être pas cette année, ce serait trop court parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation. Mais peut-être l'année prochaine, ouais, début de l'année prochaine, on verra bien. Mais un petit quiz, refaire un petit quiz à l'eau, ouais. Ça pourrait être intéressant. On viendra participer. Eh ben, bien sûr. Aucun problème. Aucun problème. Complètement. Du coup, hop là, je réapparais aussi. Waouh! Et oui, puisqu'on enchaîne. Merci beaucoup, les copains. En tout cas, Halo et Halo.fr d'avoir été là une nouvelle fois. Bah, vous répondez toujours présent. Bah merci à vous surtout. Merci à vous pour tout. Qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine en termes de planning stream? Oula, eh ben j'étais justement en off actuellement en train de faire un petit récap parce que voilà. Alors vous voulez un récap complet? Allez. Oui, alors, bah, allez-y, pour voilà, y a pas de souci. Sur la chaîne Twitch Halo.fr, nous avons prévu demain une soirée à partir de 21h avec notre chère Sebia qui est ici présente dans le chat, je crois qu'elle est encore là. Donc à 21h, elle va nous faire un live en multi sur l'infini, donc J-1, après il restera plus qu'un jour avant la sortie de la campagne. Et mercredi, découverte de la campagne à partir de... Vous avez dit 19h, hein, c'est ça? C'est à partir de 19h que la campagne est dispo. C'est pas 18 19. 19h. 19. Et bon, on corrigera le 18. 19h, et donc Banta qui partira en campagne à partir de 19h. Et le lendemain, bah, il est chaud patate. Il repartira toute l'après-midi à partir de 14h. Et moi, bah, je prendrai relais à partir de 20h pour qu'on continue la campagne. Enfin, du coup, il fera la campagne de son côté. Et moi, du coup, on verra une partie, voir moi où j'en suis. Pour ceux qui veulent voir. Vendredi, on repartira en campagne à partir de 16h. Parce que là, il va y avoir du full campagne parce que la campagne est enfin dispo. Samedi, ça sera une soirée à partir de 21h en multi. Et ensuite, bah, dimanche, on recueillera les avis à 21h. Donc pareil, si Xbox Squad voulait venir, on recueillera un peu les avis sur un peu plus de recul. Du coup, on aurait quelques jours pour y jouer sur la campagne, voir sur tout ça, voir un peu les avis de tout le monde, quoi. Tout le monde aura pu un peu tester cette campagne. Voilà. Ouais. Tout à fait. Semaine bien chargée. Normal. Ouais. Pour le coup. Voilà, ça va fonctionner. Qu'on attend depuis très très longtemps, là, oui, on essaie d'envoyer du lourd à Spartan. Ah bah oui, oui. Et surtout, il y a de quoi faire. Et puis, c'était tellement attendu aussi, donc voilà, il est là. Oui, il est là. Enfin. En effet. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les copains, que j'aurais oublié? Là, aujourd'hui, hein. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On peut remercier le chat qui a été présent une nouvelle fois ce soir pour ce checkpoint. 6e émission déjà, hein, vous êtes là de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. En tout cas, en effet, vous pouvez suivre le Twitter d'Allo. On a tout mis, on a exactement. Mis le Twitter, le site. Ah, on n'a pas mis la chaîne Twitch. On n'a pas mis la chaîne Twitch. Exactement, oui. C'est normal, ils n'étaient pas abonnés. C'est corrigé, c'est corrigé. C'est corrigé. Non mais en vraiment, oui, une dernière fois, merci à vous tous et bah, je te laisse la parole, vas-y, Plasma. Bah non, oui, bah non, mais t'as bien raison, t'étais lancé. Merci à vous déjà de toujours prendre le temps de faire un taf incroyable. Vous êtes énormément sollicités, c'est normal. Et on espère que ces prochaines semaines se passeront correctement pour vous. En vous souhaitant bon stream et on se reverra pour certainement débriefer après quelques semaines sur la campagne une fois qu'on l'aura tous fait. Les amis du chat, merci à vous d'avoir été présents pour ce 6e checkpoint. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. La semaine prochaine ça sera le lounge. Mercredi, n'oubliez pas, ça sera Jess pour la première à la campagne. Faudra être là pour la soutenir, son premier live gaming. J'ai peur. Ça va être, voilà, ça va être incroyable. Votre planning, vous serez aussi en live du coup mercredi, c'est ça pour, oui, on sera en live mercredi, c'est ça. En effet, ça sera Jess avec H, si je dis pas de bêtises, qui sera là aussi. Non, je soutien moral avec moi. Voilà, le soutien moral. Oh, grosse coop. Ça fait plaisir. Exactement. Voilà, grosse coop. Grosse coop, c'est ça. Et puis oui, les Game Awards, nous, ça sera, que je dise pas de bêtises. C'est dans 2 semaines, le lundi dans 2 semaines, ça sera le 21, je crois. Oui. Ou le 22. Voilà. Non, peut-être le 22. Attendez. Ah. Mais en tout cas, pour non, ça sera le vendredi, du coup, les Game Awards, on sera là. En tout cas, sur les news, c'est sûr. Le stream, il y a des chances, puisqu'on l'a prévu apparemment dans le planning. Donc voilà, restez connectés les amis, plein de bonnes choses. Des bisous à tous, portez-vous bien. Des bisous. Et surtout, vive Halo. Vive Halo. Vive Halo. N'oubliez pas le vive Halo. Et Olive.